Joby. Plus haute. Un peu fou, tu es soudainement flou. Je me demande si quelque chose était réel, toute notre histoire est floue. Comme conduire sous une pluie battante, sommes-nous trop profondément? À toi. Tu me dis que tu es. J'essaie d'être. Avant de partir d'ici. Avant de partir. Je sais que ce n'est pas facile, mais il reste quelque chose à quoi s'accrocher. Nous pouvons le faire à travers vous n'avez pas à y aller. Il y a un futur ici avec moi, nous trouverons la lumière dans une pièce nuageuse. Tu me dis que tu es désolé. J'essaie d'être ouvert.
à la façon dont je dois être clair avant de partir d'ici. Faire. Et shalom tout le monde, shalom, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde dans la maison du Seigneur Mouton d'Israël. Je suis l'aîné Michael Johnson et nous allons suivre un enseignement spécial aujourd'hui. Nous allons en faire quelques-uns aujourd'hui qui, avant d'entrer dans ce sujet, nous le serons aussi aujourd'hui. Je vous montrerai plus tard ce qui va être un autre enseignement très intéressant. Qu'est-ce que l'Église et quel est le corps? Selon la Bible, ce n'est pas un homme et cela aura lieu à 15h, heure du Pacifique. 5h du centre et 6h, heure de l'Est, et assurez-vous d'attraper celui-ci parce que celui-ci va expose en fait un grand nombre de points de doctrine qui existent et vous aide à comprendre, dans les Écritures, ce qu'est l'Église et ce qu'est le corps. Qui vous aidera, mais revenons à cela, nous aimons le mariage et le divorce selon. À qui, selon qui, nous avons besoin de comprendre de quoi s'agit-il et qui c'est.
selon et nous allons découvrir quelques points ici pour les régler ici. Et nous verrons un peu plus ce qui se passe quand nous verrons cela parce que c'est quelque chose qui va partout, non seulement en Israël, mais aussi dans le monde entier, amour, mariage, divorce, est constant dans toutes les choses. Qu'est-ce que l'amour et comment montrer de l'amour? C'est la première question et qu'est-ce que l'amour selon un mariage? Et il existe de nombreux types de personnes que de nombreux types de personnes ont vu pour les mélanger de nombreuses manières, formes et formes. Parce que certaines personnes accepteront un mariage ou même l'amour comme un partenariat dans le cadre du mariage d'aujourd'hui. Et quoi et comment cela se passe? Régissez sur la base du partenariat. Je veux que vous vous assuriez que tout le monde fait cela, écrivez ce genre de choses, faites. Bien sûr, vous avez compris parce que beaucoup de gens confondent encore tout cela et nous voulons savoir exactement ce qui se passe. Nous avons donc un partenariat et nous avons de l'amour et si vous avez votre papier, vos crayons et que vous avez tout prêt, vous voulez les poser tous les deux côtés. Vous voulez avoir un partenaire d'un côté et le mariage de l'autre parce que nous devons savoir ce que c'est. Et si c'est dans le cadre d'un partenariat, si c'est dans le cadre d'un partenariat, ce dont nous voulons nous souvenir, c'est un abandon mutuel des deux côtés et puis ils disent que l'homme dans la femme se soumet aux deux. D'une certaine façon, et puis vous avez ce partenariat mutuel qui est un homme, une femme et vous avez une femme à femme, un homme. L'homme qui est une folie en soi mais à la fin de la journée, l'amour montre une exposition, vous comprenez ce que je veux dire. À la fin de la journée, des spectacles d'amour et des expositions dans un mariage et non dans un partenariat. Je veux m'assurer que nous comprenons clairement cela parce que ce qui va se passer. Continuez parce que nous allons voir cela non seulement en fonction de ce que l'homme a dit, mais de ce que disent les Écritures. Donc en fait, il y a la vraie signification d'un partenariat et c'est pourquoi il en est ainsi. Important le partenariat, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une relation juridique existant entre deux ou plusieurs personnes liées contractuellement à un principe commun, comme si l'on était dans une entreprise, je veux que vous fassiez attention à ce que je suis parce que c'est ce que c'est, allez le vérifier n'importe où et vous pouvez même voir dans une entreprise lorsque vous entrez dans un partenariat c'est un principe conjoint contractuellement associé dans une entreprise, vous pouvez le vérifier et le voir. Et avec la relation dans un mariage qui ressemble à un partenariat légal, nous avons un problème, mais tel qu'un société entre des parties ayant des droits et des responsabilités spécifiques et conjoints dépend du nombre d'actions qu'ils ont dans le partenariat. Il s'agit d'un partenariat sur ce que les gens verront également dans leur mariage, de sorte que nous voyons les deux extrémités des deux. Maintenant, en partenariat. Comprenez parfaitement ce que je dis encore, un partenariat n'implique pas l'amour. Cela peut impliquer l'amour des responsabilités ou des droits. Mais cela ne concerne que le pourcentage des droits, c'est-à-dire les responsabilités spécifiques qu'ils ont, donc si vous êtes. Demandez-vous. Je veux que vous y réfléchissiez et que vous découvriez ce qui se passe, êtes-vous dans un mariage ou êtes-vous en couple et vous pouvez mettre sur votre papier n'importe quoi côté que vous voulez et réfléchissez-y, mais à la fin de cette leçon, nous allons découvrir ce que vous êtes réellement, dans ce que vous vivez réellement, nous allons donc découvrir si vous êtes dans un partenariat. Si vous êtes amoureux ou si vous êtes dans un mariage, voyez parce que si vous êtes dans le partenariat, la même chose et même si vous l'avez marqué en ce moment. Si vous êtes dans un dicton bien, je suis inculqué, je suis dans un partenariat, d'accord, c'est bien parce que si vous êtes dans un partenariat, je veux que vous compreniez clairement d'où je viens, je veux dire pourquoi nous allons vous dire si vous êtes en partenariat.
Et vous dites que vous êtes en partenariat avec Dieu, nous avons un problème parce que Dieu n'est pas en partenariat avec vous, mais maintenant vous allez vous mettre en tant que partenaire commercial égal à Dieu. Comme si vous étiez une société que vous lui êtes associé contractuellement en fonction des principes de l'entreprise et de la relation ressemblant à la loi. Le partenariat que vous avez avec eux y pense tellement de gens que je sais qu'ils effacent cela et maintenant ils vont essayer de le changer. Mais tu dois te rappeler que c'est ce que tu as déjà dit dans ton cœur. C'est pourquoi il est si important de voir l'amour du Seigneur. Et que ressentez-vous les désirs parce que quelqu'un dit qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils réalisent vraiment dans le partenariat qu'ils réalisent les désirs qu'ils ressentent. Désirs qu'ils combattent et répondent aux désirs de Dieu, seules les responsabilités du contrat qui sont associées aux principes ou au partenariat dont vous avez besoin pour prendre soin contractuellement. De l'amour n'est pas dedans. Cela n'a donc rien à voir avec les fondements du mariage. Pas besoin de satisfaire le désir, simplement de réaliser les droits et la responsabilité, c'est ce qui est dans le contrat de partenariat, c'est tout, c'est pourquoi certaines personnes disent simplement, eh bien, vous voulez suivre la loi, vous voulez suivre la loi, vous voulez suivre la loi, vous voulez vous battre. Veulent suivre les responsabilités du contrat et basé sur le contrat que vous voyez en tant que société dont tu es contractuellement responsable. C'est comme si tu disais que tu manges. Vous mangez un porc et contractuellement vous devriez en avoir besoin. Contractuellement, vous ne devriez pas manger de porc, mais le porc vous rend-il impur par contraction? Contractuellement ou est-ce mal? Tu vois, c'est là qu'il va te chercher à chaque fois parce que contractuellement, le porc ne peut pas te rendre impur, ce qui te rend impur. C'est ce que le désir était de le manger, pas le manger, ce n'est rien parce que sous contractionnel, vous venez de dire que je ne vais pas le manger. Contractuellement parce qu'il dit de ne pas le faire partenariat non, il dit quel est le désir et ce qui vous rend impur parce que si votre désir était de le manger de toute façon, puis vous êtes assis là à dire que je suis dans un partenariat, vous n'êtes pas dans un mariage. Ce que nous voulons, c'est là que les problèmes surviennent et nous devons examiner cela et nous devons nous assurer de suivre les responsabilités concernant ce qui est dans un mariage. Nous devons obéir à sa voix qui est la forme de soumission à la volonté d'un autre afin que nous nous soumettons à la volonté de Dieu. La même chose est vraie dans n'importe quel mariage, la même chose est vraie dans tout. Le mariage voit que le mari et la femme apprennent à se soumettre au désir de la volonté d'un autre et que la volonté d'un autre est à Dieu. Commençons par examiner cela et nous allons voir comment cela fonctionne pour chacun d'entre nous. Et je vais vous inviter. Nous allons regarder cela et nous allons commencer dès le début, nous allons passer ici au chapitre 19 de l'Exode et nous allons le reprendre au verset 5. Je vais reprendre cela au verset 5 et nous allons obtenir une bonne compréhension ici et vous allez voir ce qui se passe ici. Il s'agit donc de contracter un mariage, et non d'un partenariat. C'est ce qu'il dit maintenant pour cette raison, si vous obéissez à ma voix, en effet, cela fonctionne parce qu'il a fait quelque chose pour nos ancêtres, il s'est occupé de nous et s'il l'a fait, il me dit qu'il l'a dit, alors maintenant ce que j'ai fait, j'ai enterré le vôtre. L'ego vous a amené à moi-même maintenant pour cette raison, si vous obéissez vraiment à ma voix et respectez mon alliance, alors vous devriez être en mesure de me guérir votre trésor. Par-dessus tout le monde pour toute la terre est à moi car toute la terre appartient à Dieu. Qu'il ne ressemble pas à un partenariat. Il te dit quelque chose que tu vas être pour lui, ce n'est pas un partenariat, je vais être, tu vas être égal
partenaire avec moi sur cette terre. Il n'a pas dit que vous ne le voyez pas dire vous ne le voyez pas. Je ne vois nulle part où il est là-dedans. C'est basé sur un mariage pour lequel nous devons clairement comprendre et comprendre la différence. Je vais vous montrer quelque chose. Ici et eux, nous allons regarder notre Genèse au chapitre 21, nous allons la reprendre au verset 10. Je veux vous montrer quelque chose ou être obéissant à la voix en fonction de ce qui se passe. Pas quelque chose qui est fait contractuellement, pas quelque chose qui est fait contractuellement. Regardez ce qui se passe ici parce que Sarah avait amené Agar à Abraham pour avoir un enfant parce qu'elle pensait qu'elle était trop vieille, elle avait fait quelque chose de charnel, mais Dieu lui avait déjà promis quelque chose spirituellement et ça a fini par arriver puis elle a fini par avoir un enfant et puis le Agar elle était encore assise là agissant comme elle se moque et Sarah est allée voir Abraham, elle est allée voir Abraham et lui a dit ces mots et elle lui a dit cela et elle a dit, chasse cette bombe, femme, y compris son fils. Car le fils de cette servante ne devrait pas être héritier de mon fils, même avec Isaac clair, je suis ta femme. Nous avons un enfant qui a chassé cette bombe que Sarah voulait. La bombe Agar, y compris son fils, chassée du milieu d'Abraham. Maintenant, c'est Abraham en colère, cela l'a mis en colère, alors Abraham contractuellement pensait que c'était un partenariat basé sur un accord, ce n'est pas du oui-dire basé sur ce qu'il pensait. Qu'elle a fait ces choses à l'avance, voyez que c'est là que vous ne regardez pas l'interprétation, vous regardez exactement, que s'est-il passé? Il pensait bien, elle était d'accord que nous en avions un enfant, donc je devrais être d'accord avec cet enfant ici, mais cela l'a irrité parce que basé sur quoi elle a dit, et sur la base de ce qu'elle a fait plus tôt, elle a amené Agar à Abraham, mais maintenant, elle veut se débarrasser de la femme divine et se débarrasser de l'enfant alors mettons-nous en colère. Reprenons un peu plus et dites découvrez quelques éléments pour vraiment mieux comprendre comment cela fonctionne réellement, car même si cela a irrité Abraham et Dieu d'aller lui dire quelque chose et nous devons démontrer ce qui se passe parce que c'était déjà quelque chose de le début qu'il aurait dû connaître sur la base de ce qui avait déjà été commencé basé sur déjà avec Dieu. Parce que Dieu a dit cela et quand nous regardons même Deutéronome 17:17 il nous dit tout de suite qu'il ne se multipliera pas non plus. Sage à lui-même que son cœur ne se détournera pas et qu'il ne voudra pas non plus. Multiplier considérablement jusqu'à ce que l'argent au taux est allé c'est déjà cela est déjà fait et le problème, c'est où Abraham. Il est assis là et il veut multiplier l'argent et l'or parce qu'il a deux fils là-bas tant qu'il a deux fils là-bas il est bon il veut multiplier ça. Il était probablement cool sans la femme, mais il dit que vous ne pouvez pas vous asseoir là et vous multiplier considérablement. Avec cette femme et tu vas multiplier les enfants c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il lui dit. D'autant plus, pour nous rapprocher de cela, c'est quand nous affrontons des épouses étranges. Dans ce cas, et nous connaissons la vérité. Épinglez ceci et je me fiche de la façon dont nous le regardons, comment nous le retournons, c'est dans les Écritures et vous savez que vous ne pouvez pas le détourner, mais je veux vous montrer quelque chose dans 1 Adresse chapitre 9 verset 36 vous voyez aussi cela dans Ezraël lui-même, il dit que tout cela a pris des épouses étranges y compris les mettre à l'écart avec leurs enfants, c'est exactement la même chose. Pourquoi nous voyons ici avec Sarah?
C'est pourquoi nous le voyons ici avec Sarah. Nous ne multiplierons pas non plus les épouses et nous ne nous multiplierons pas beaucoup. À lui-même de l'argent et de l'or en faisant quelqu'un. Donc, si vous pensez que vous avez le droit légal, de nombreuses personnes pensent qu'elles ont le droit légal d'avoir autant d'épouses qu'elles le souhaitent. Les gens croient à cela, et beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent s'associer au principe commun de l'entreprise et qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, disent-ils. Je vais avoir des enfants d'une autre façon, puis ils sont assis là à faire cela. Ils ont un principe commun dans l'entreprise et ils croyaient en une situation gagnant-gagnant avec la soi-disant relation avec résilience ressemblant au mariage ressemblant à ce qui s'est passé avec la même chose. Ce que tu vois. Quand tu vois Jacob est allé voir ses autres femmes. Ils veulent ressembler à ce qu'ils ont fait là-bas. Ne sachant pas ce que disait réellement l'Écriture, ne montrant pas ce que l'Écriture essayait de vous montrer. Ils ont donc manqué la même chose que nous regardons cela en tant que société, en tant que parti, nous regardons cela de plus en plus. Autre chose que ça. Alors ils ont regardé ça comme un partenariat et elles voulaient se débarrasser de la femme, elles voulaient que la femme parte. Elles voulaient que cette femme sorte et nous en verrons encore plus donc nous verrons encore plus. Cette audition éclaircissant les Écritures, alors regardez ce qui se passe. Je veux juste vous montrer ce qui se passe, puis nous reviendrons et nous allons aller un peu plus loin avec cela. Alors regardons cela et la colère Abraham il était ancré vous savez nous avons dit plus tôt il est dit dans. Cette chose était très grave sur le site d'Abraham à cause de son fils exactement point il n'était pas trop inquiet. À propos d'Agar, il se souciait davantage d'Ismaël, son fils. Et cela a irrité Abraham. Abraham il va aller voir le médiateur et il va voir ce qui va se passer, alors il s'est assis là et il est allé au plus haut pour obtenir une réponse pour obtenir la réponse et nous allons voir. Que se passerait-il quand il a consulté Christ voir ce que il arrive qu'il soit dit que Dieu a dit à Abraham, ne sois pas triste dans la vue à cause du dernier, ne sois pas triste à cause de cela. Vous voyez, il ne se concentre pas sur Agar, il ne se concentre pas sur Agar, l'accent est mis sur ceci, le garçon, l'accent est sur ceci. C'est Ishmaël qui est là où se trouve l'accent n'a rien à voir avec la lumière. Ce que nous voyons ici, nous voyons, nous disons qu'il a dit et parce que ta femme bombe, y compris cette femme bombée il est dit dans. Tout ce que Sarah t'a dit, tout ce qu'elle t'a dit, dit-il, écoute sa voix. Je ne peux pas faire entendre ma voix, ce n'est pas un partenariat où vous avez le sentiment d'avoir un égal en ce moment, puisque vous l'avez fait, vous avez le droit de ce nom, ne le regardez pas de cette façon parce que vous pensez qu'en Abraham, vous êtes dans un partenariat, vous n'êtes pas dans un partenariat, vous êtes dans un mariage, vous ne pouvez pas multiplier ces choses de cette façon et puisque vous pensez que vous écoutez la voix de votre femme et elle dit pour Isaac, si ta postérité sera appelée, vous voyez ce qui se passe, nous allons découvrir ce que beaucoup d'autres mots signifient plus tard, car nous avons dû creuser la question et vraiment comprendre ce qui se passe ici. Dans la même chose, vous ne pouvez pas multiplier cela parce que plusieurs fois ce qui s'est passé, de nombreuses fois se produira. Nous, en tant que peuple, nous pensons pouvoir nous marier. Peu importe et obtenir ce que nous voulons et ce n'est pas la vérité en fait. Genesis nous dit ceci et nous allons examiner une partie de cela et ensuite nous allons examiner ce dont nous avons besoin. Allez dans,
Nous allons regarder le chapitre 1 de la Genèse et laisse-moi voir si je peux bien y aller, nous allons regarder 1 dans le verset 11. Voyons si cela n'agira pas dans le sens du verset 11 parce que tout ce dont nous avons besoin c'est le verset 11 maintenant nous. Besoin du verset 11 là, laissez-moi voir si je peux le réduire un peu à l'endroit où nous pouvons l'obtenir un peu plus, donc là. Je vais y mettre ça. Et pourquoi n'est-ce pas vraiment le cas? Laissez-moi essayer l'autre, nous allons essayer celui de Cambridge et voir si nous pouvons arriver ici très rapidement. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne me laisse pas voir. Chaque fois que nous dépassons les 10 maintenant, voyons si je peux y arriver. Laisse-moi voir si je peux passer au verset 11, sinon je pourrais l'agrandir et voir si ça va marcher. Non, oui, voyons si nous pouvons l'agrandir beaucoup plus grand et voir ce que cela a fonctionné. Voyons voir sans travailler et ça ne me laissera pas lire ça. Sinon je peux le tenir ouais si vraiment laisse-moi le tenir oh il est resté là choquant il est resté là vous les gars. Ok, regardons le verset 11. Et cela nous dit quelque chose qui est clair, cela dit, et Dieu a dit, que la terre fasse pousser de l'herbe. L'herbe produisant des graines dans l'arbre fruitier donnant des fruits selon son espèce. D'après son espèce. Dont la semence est en elle-même sur la terre et c'était ainsi la semence en elle-même, et c'était elle. Donc. Maintenant, la parabole ici nous dit tout de suite ce qui se passe ici, la parabole ici nous dit tout de suite. Avant parce que cela vous dit que cette herbe va sortir dans l'herbe qui produira des graines et que les arbres fruitiers donneront des fruits après son genre. De lui-même, vous faisant savoir que nous ne devrions pas nous mélanger et nous assurer que nous comprenons la parabole, en nous assurant simplement de comprendre. Parabole nous voulons regarder Isaïe et nous allons la reprendre au verset chapitre 40. Et nous allons regarder verset 7. Nous allons regarder le verset 7 et comprendre ce que cela dit ici. Il est dit que l'herbe ou si le gaz a flétri la fleur s'est fanée parce que l'Esprit du Seigneur souffle dessus donc il nous donne la photo de la silhouette et il dit sûrement les gens. C'est l'herbe. Le peuple est en herbe où nous pouvons comprendre la parabole pour nous aider beaucoup plus. Mais cela le dit encore plus au verset 12. Dans la terre a produit de l'herbe, y compris des herbes produisant des graines après son espèce, y compris des arbres donnant des fruits. Dont la semence était en elle même après que son espèce, y compris Dieu l'a vue. Bon. C'était bien que nous voyions cette image de silhouette et puis cette parabole, vous pouvez voir cela quand vous regardez. Dans certains pays, vous pouvez vous rendre dans certains pays, comme la Chine et l'Inde, et dans certains endroits comme celui-là, et vous voyez où il compte plus d'un milliard d'habitants. Les mêmes personnes qui n'essaient pas de se mélanger comme les autres pays. Aux yeux de Dieu, c'est bon de ne pas se mélanger. Mais c'est le degré que Dieu a créé et ce sont les ordonnances qui est en train d'être mis en place sur la terre raison pour laquelle nous devons aller ici parce que j'ai besoin que vous preniez ces clés parce que plus tard, nous verrons quelque chose qui est encore plus important avec ce mariage parce que c'est le mariage,
Ce sont les photos de silhouettes que nous avons besoin de voir pour que ces ordonnances soient définies. Ce qui signifie ne pas mélanger. C'est la configuration, les ordonnances de Dieu et quand nous nous asseyons là et que nous mélangeons cela, nous mélangez-le maintenant, vous enfreignez les ordonnances devant Dieu, vous les brisez. Parce que si cela se produit, alors vous cessez de faire partie du Christ, vous cessez de faire partie de Dieu, vous cessez de faire partie de l'ordonnance sur ce qu'il a dit devant nous parce que la clé ici est l'amour, non. Le partenariat, la clé ici est l'amour et non le partenariat, la clé ici est l'amour qui est basé sur soumission au testament d'un autre. Et nous n'avons pas du tout soumis à Dieu et il nous donne la photo de la silhouette comme lorsque nous voyons avec de la chair mais nous. Je veux mettre l'accent sur le fait que nous ne nous sommes pas soumis à la volonté de Dieu. Nous ne l'avons pas fait et ce dont vous devez vous souvenir, c'est ceci et ne jamais changer cela et ne regardez jamais cela d'une autre manière parce qu'il a dit quelque chose si ces ordonnances que nous allons voir plus tard si ces ordonnances s'écartent de lui. Puis, comme il l'a dit encore plus tard, quand vous alliez le découvrir plus tard, même le siège d'Israël cessera d'être une nation avant lui. Pensez ici cette ordonnance s'écarte de lui et que nous allons juste regarder cela, mais ensuite nous allons revenir plus tard, mais nous allons aller à Jérémie chapitre 30. 30-31 je pense que c'est 33 mais je crois que c'est 31 mais nous verrons bien, laissez-moi y arriver en premier, je pense que c'est peut-être 33. Oh non, est-ce le même, c'est ce 33, mais nous voulons le reprendre au verset 35. Nous voulons reprendre cela au verset 35. C'est donc ce que je veux vous montrer où nous pouvons voir et comprendre cela au verset 35 et la même chose et qu'il est dit ainsi dit. L'Esprit de Dieu qui donne le soleil pour la lumière le jour, y compris les ordonnances de la lune des étoiles pour la lumière la nuit qui divise la mer quand les vagues rugissent l'Esprit du Dieu des eaux et son chemin maintenant il vous dit ce qu'il fait. Ici, dans la même chose que nous voyons ici, nous voyons par ici et il veut vous en dire plus pour savoir où nous pouvons l'obtenir. Il dit que si ces ordonnances s'écartent d'avant moi d'avant lui, ce qui signifie qu'elles ont cessé de faire ce qu'il leur dire ce qu'ils doivent faire. Maintenant, cela se rapproche un peu, n'est-ce pas maintenant que nous avons l'impression que nous sommes dans un partenariat. Donc, si ces ordonnances s'écartent de lui avant lui, dit l'Esprit de Dieu, alors la semence de Israël cessera également d'être une nation devant moi pour toujours. Mélange. Même compréhension il continue plus et nous allons revenir là-dessus parce que je vous promets que nous allons revenir tout de suite à cela parce que c'est va nous ramener ici. Il est dit ainsi dit l'Esprit de Dieu si le ciel au-dessus peut être mesuré dans la fondation de la terre recherchée en dessous, je jetterai aussi la semence d'Israël pour tout ce qu'elle j'ai fait, dit l'Esprit de Dieu. La motivation est basée sur celle parce que la couverture est que les gens appellent cela un mariage, mais c'est vraiment un partenariat qu'ils font réellement donc la clé ici est à nouveau l'amour et puisque la clé ici est l'amour, alors avec la clé est l'amour, mais si c'est la clé, alors c'est que la soumission n'est pas là. À Dieu ni à votre mari ni à votre femme cet ordre.
Nous voyons dans la silhouette de nous-mêmes telle que nous la vivons, nous ne nous soumettons pas à Dieu, puis dans un mariage il ne se soumet pas à l'ordre dans lequel il est configuré. Je me fiche de la façon dont nous le regardons, comment nous le retournons, comment nous le scénarisons. Parce que Dieu est établi pour le mariage et pour mettre en place le mariage répond au désir de Dieu, pas un partenariat. N'est pas dans le cadre d'un partenariat, mais nous avons mis en place un soi-disant mariage, mais nous l'avons. Le partenariat, mais nous utilisons le nom de mariage. Dont la motivation est de vanter la peur de l'autre une fois et de ne pas être comblé par le manque des désirs et de la volonté de un autre qui est la construction de l'amour, donc il est basé sur un cycle qui est complètement cassé. Je veux que vous pensiez à ces choses, c'est complètement cassé. Parce qu'il est basé sur un cycle de ce cycle, il a causé des problèmes non seulement entre l'homme, mais le point principal n'est pas un homme parce que l'homme est un homme, tout va mourir et se dépérir, mais l'essentiel est que c'est entre nous et Dieu. C'est entre nous et Dieu et la meilleure façon de voir cela est que nous violons cela. Nous brisons cela, nous causons cela en nous-mêmes, donc nous devons regarder la parabole pour savoir pourquoi. Il nous montre qui nous sommes, c'est pourquoi il nous montre qui nous sommes, nous allons en savoir plus, donc ce qui se passe, donc je veux que vous mettiez en place, puis assurez-vous qu'au fur et à mesure que nous parviendrons ici, nous pouvons obtenir quelques clés ici et la clé ici est que nous allons rompre tout ce mariage. Par divorce, je veux que vous écriviez cela, nous brisons tout le mariage par le divorce en ajoutant même le divorce. Dans l'équation basée sur nous pensons que c'est un partenariat basé sur le fait que vous avez le droit légal de faire certaines choses, je veux que vous vous assuriez que je veux juste donner du temps à l'endroit où nous pouvons écrire ces choses et comprendre que nous pensons avoir le droit légal de faire certaines choses. Dans le mariage, donc parce que l'amour est brisé et nous amène là où il est brisé, alors les gens sentent qu'ils peuvent. Le divorce est un fait vrai dans la société d'aujourd'hui 100% parce que devant les tribunaux, la loi présume la sanction du divorce sur une base logique et permise. À cause du comportement indécent d'un autre, c'est bizarre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bizarre parce que cela fonctionne bien sûr aujourd'hui, vous pouvez entrer tribunaux et vous verrez que cela se fait, nous devons examiner les écritures et ce que nous essayons de faire, nous les prenons et nous essayons de l'adapter à nous et non nous essayons de nous adapter aux écritures. Cela se passe et pendant que nous essayons de nous assurer que nous comprenons clairement ce qui se passe, si j'ai besoin de faire ressortir le tableau, je vais faire ressortir le conseil pour nous assurer que nous pouvons voir de la meilleure façon possible. Obtenez-le, parce que nous devons nous adapter à l'inquiétude de Dieu, mais nous n'avons pas besoin d'essayer de faire que Dieu nous convienne. Je vais vous montrer quelque chose, nous allons découvrir où les gens sont vraiment allés et pourquoi il est si important de comprendre Écriture dans son ensemble, nous allons regarder Matthieu chapitre 19. Dans le verset, nous allons le reprendre au verset 10. Verset 10. Et je veux vous montrer quelque chose sur lequel nous allons commencer à mieux comprendre ce qui se passe ici. Il est dit, ses disciples lui dirent. Ses disciples lui dirent. Quelque chose que nous devons vraiment vérifier. Et en fait, cela montre toujours une mauvaise direction, en fait. Montons un peu, nous allons d'abord passer à 9. Parce que je veux que vous voyiez quelque chose, je veux que vous voyiez quelque chose d'abord, alors revenons à 9,
Nous allons d'abord passer à 9 parce que je veux vous montrer quelque chose en premier. Pour nous assurer que nous voyons quel est le problème, en plus de le faire de cette façon, nous allons le faire à l'envers, donc nous allons regarder Matthieu chapitre 19, mais nous allons d'abord regarder le verset 9 et il est dit, y compris, je vous le dis, à quiconque a mis sa femme de côté sauf pour fornication. Y compris épouser un autre adultère commis et celui qu'il épouse dont il a divorcé est ce qu'il dit. Qui est mis de côté faire un adultère, vous voyez comment il a fait ça. Maintenant je vais vous montrer avant de dire je veux m'assurer que nous comprenons clairement cela, je vais vous montrer quelque chose et nous allons voir ce que la société coule là-dessus et nous sommes, je vais passer par là. Sauf et les gens utilisent accept dans le monde Ils font ça. Comme exclusion, ils l'utilisent comme ceci, c'est ce qu'il est utilisé comme. Et est-ce vrai, est-ce vrai, est-ce vrai utilisé lors de l'exclusion? C'est pourquoi c'est si important avec le couplet, c'est pourquoi c'est si important avec le couplet, c'est pourquoi j'ai dit que je vais remonter à 9 parce que je veux que vous voyiez quelque chose, que je veux que vous vous assuriez, que vous vous y preniez et nous voulons comprendre ce qu'est l'exclusion. En fait, regardons quelque chose que je vais faire. Je vais faire ça dedans et nous allons voir donc que je vais écrire quelque chose et nous allons simplement l'écrire simplement. Et c'est un exemple, il est dit que nous pouvons, nous avons dit que nous pouvions y aller. Soit tous les jours sauf. Les lundis. Sauf le lundi, d'accord, vous en voyez un ici. Vous voyez cette exclusion, vous savez ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont vous dire et mais je vais en écrire une autre. Et je vais te poser une question, nous allons juste voir comment tu penses là-dessus, il est dit que nous pouvons, continuer, on peut y aller le dimanche, on y va. On peut y aller. On peut y aller, le dimanche. Du dimanche au vendredi. Jusqu'au vendredi. Sauf. Le sabbat. Ok ok maintenant nous avons ces deux là, maintenant j'ai une question ici. Sur ces points, maintenant, le problème est avec l'exclusion, l'exclusion. Est-ce que le point est ce que je veux que vous voyez l'exclusion maintenant, est-ce qu'ils disent la même chose? Est-ce qu'ils disent la même chose? Je veux maintenant vous montrer où nous allons revenir là-dessus et nous voulons regarder cela de très près et je veux m'assurer que nous obtenons ceci. Parce que cela nous dit la même chose que celui qui doit mettre sa femme à l'écart, sauf pour fornication. Y compris doit épouser une autre personne commise pour adultère qui ne devrait pas avoir de sens parce que s'il divorçait d'elle et qu'il disait qu'il l'avait mise à l'écart, il ne devrait pas être en mesure de commettre adultère parce qu'il a légalement divorcé d'elle selon le monde et c'est dans celui qui l'épouse alors et puis celui qui est mis de côté et puis quelqu'un d'autre épouse cette même femme, il commet un adultère. Basé sur l'acceptation en fonction de la façon dont le monde le voit. Encore une fois, ils utilisent l'exclusion.
et ils n'utilisent pas l'inclusion. C'est là que le système éducatif nous a complètement foiré parce que c'est parce qu'il est. Clarté pour l'inclusion. Ce qui signifie que cela signifie plus, donc cela devrait être. Et je vais en prendre deux, je vais faire celui-ci aussi et je vais le faire ici juste pour. Où nous pouvons clairement l'obtenir. Parce que c'est inclus dans les Écritures et je vais vous montrer pourquoi c'est ainsi parce que cela signifie. Nous pouvons aller du dimanche au vendredi, y compris le sabbat, c'est ce que cela dit réellement. La même chose que nous pouvons faire, nous pouvons chaque fois que nous pouvons réellement mettre celui-ci en panne, nous pouvons y aller tous les jours, y compris le lundi, c'est l'inclusion, c'est ce que c'était, donc le problème est. Quand tu y retournes maintenant et que tu regardes ça et que tu te montres à quel point le système éducatif nous a fait défaut parce qu'il s'explique lui-même, et nous allons le voir ici dans. C'est pourquoi je dis que je vais remonter un peu en arrière et que nous allons comprendre et nous verrons cela ici, c'est pourquoi il dit maintenant, revenons en arrière et nous allons avoir avec inclusion et non-exclusion. Il est dit et quiconque doit mettre de côté sa femme, ce qui signifie que vous allez divorcer et nous peut aller plus loin en ce sens qu'il dit ainsi, y compris parce que c'est une exclusion. Y compris pour la fornication parce que vous voulez vous asseoir là et vous voulez vous connecter avec quelqu'un d'autre en fonction de ce que s'est passé au verset 7 en fait, nous allons vous dire ce que nous allons mettre ensemble allons-y. Je vais aller au même endroit où nous allons aller au chapitre Matthieu 9, je veux juste m'assurer que nous comprenons clairement ce qui se passe ici et nous allons regarder cela au verset 7 parce que c'est là le problème. Ce même endroit où nous allons juste monter, un peu plus tôt, mais vous avez une 9-6, nous avons terminé à 9-9h ici donc je veux m'assurer que nous voyons ce qui se passe. Il est dit qu'ils lui disent pourquoi Moïse nous a alors ordonné de donner un écrit de divorce et la mettre de côté, vous voyez bien, vous voyez ce qu'il dit ici. Mais nous allons avoir la pleine compréhension de cela, nous allons obtenir la pleine compréhension de cela et c'est pourquoi il dit, et quiconque fait cela. Y compris pour le divorce, y compris si vous voulez aller là-bas et faire cela et vous mettez quelqu'un de côté, en lui donnant tout droit dans le divorce. Tu vas commettre un adultère et qui est si en colère contre elle va aussi commettre un adultère. Si vous suivez cela, nous allons mieux comprendre ici allons-y. Regardons cela et nous voyons déjà quel est le problème que nous allons aborder. Verset 3. Au verset 3, nous voyons déjà où se situe le problème, car ce sont les pharisiens, les médecins sont leur propre loi. Ce sont les docteurs de leur propre créateur de droit, ils construisent tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est bon pour eux est bon pour eux, alors nous examinons ce qu'ils disent. Clairement ici, dit-il, les pharisiens sont aussi venus à lui. Le tentant, vous voyez ce qu'il dit, et lui disant, est-ce licite, est-il permis à un homme de mettre de côté sa femme pour chaque cause, tu vois ce qu'il dit ici. Pour chaque cause qu'il peut mettre de côté pour n'importe quoi. Tout ce qu'il a à faire, c'est de le faire et ensuite il peut lui remettre un acte de divorce et il va bien. Mais regardez ce qui se passe là-bas. Et il a répondu. Il ne leur a pas dit, n'avez-vous pas lu les Écritures, vous voyez qu'il y a un problème ici, n'est-ce pas? Non lu. Ce qui est fait que celui qui est fait au début, homme et femme, mais les gens ne vont toujours pas tout à fait.
comprendre ce qu'il dit. Les gens ne comprennent toujours pas ce qu'il dit ici. Mais pourquoi est-ce? Parce que nous sommes pris au piège, nous sommes pris dans l'exclusion. Pas l'inclusion, c'est pourquoi nous marchons à travers cela et juste pour comprendre, dit-il, pour cette cause. Il a créé une femme dans un homme, tu vois ce qu'il dit, il ne dit pas homme et femme, il dit que j'ai fait un homme et une femme, j'ai fait un homme et une femme, la même chose aussi. Vous allez acheter deux parties masculines de quelque chose dont un mâle ne s'y connecte pas, vous avez besoin de la femelle ou vous pouvez vous y accrocher. Si vous êtes plombier ou quelque chose d'autre, alors vous allez chercher de l'électricité, la seule partie est le mâle, puis vous avez une partie féminine qui va dans son bon sens, vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez voir, ils disent oui bien j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce tuyau, j'ai besoin d'un homme et j'ai besoin de la même chose pour les femmes. Les hommes ne travaillent pas. C'est pourquoi il est dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux devraient être une seule chair. Et puis quand vous mettez ces hommes et ces femmes ensemble, c'est un qui vous donne la même compréhension, donc encore une fois, vous voyez ceci ici, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un partenariat, c'est un mariage. N'a absolument rien à voir avec le partenariat. En fait, allons-y un peu plus loin. Donc quand vous prenez un homme et une femme est la même chose que vous prenez une pipe. Il vous en dit encore plus, alors regardons ça dit pourquoi il n'y en a plus de deux, oui, vous faites. Qu'un tuyau c'est un tuyau, c'est pareil si vous prenez une partie mâle d'un accord électrique et que vous l'accrochez à une autre partie d'un accord électrique. Mais vous doit entrer dans la partie féminine de l'accord électrique, il devient un accord et il s'étend aussi loin que vous le souhaitez. C'est commun donc, mais ce ne serait plus deux, ce n'est pas plus deux mais un flash pareil ici, il dit ce que Dieu a rejoint. Ensemble, qu'aucun homme ne mette un fils, le roi, aucun homme ne se sépare maintenant. Même si nous pouvons séparer les cordes électriques et les tuyaux, etc. Mais ce que Dieu avait mis en place, Dieu a mis cela ensemble, vous ne pouvez pas le séparer, nous pouvons prendre, nous pouvons faire des parties masculines et féminines pour des outils et des choses comme ça, mais nous ne pouvons pas démonter ce que Dieu a uni, il a uni cela ensemble et c'est seulement à Dieu de le séparer, ce n'est pas à nous de séparer ça donc il continue plus. Donc le pharisien, parce que c'est ce qui lui parlait, le pharisien a dit pourquoi Moïse ne nous a-t-il pas alors ordonné de lui donner un divorce juste pour la mettre. Maintenant nous voyons que nous voyons maintenant nous voyons un peu plus dans ce qui se passe. Voyez, l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu, est-ce que nous avons séparé ce que nous faisons, nous séparons les tuyaux et les cordons électriques et tout le reste, nous séparons ces choses. Mais ce que Dieu fait, Dieu sépare l'homme, la femme et le mâle, il fait que ce n'est pas ce qui ne nous regarde pas. Nous nous lançons dans les affaires de Dieu. Ce qui signifie que nous pouvons faire ce que nous voulons parce que nous l'avons changé, c'est pourquoi nous parlons de ce dont il parle donc si vous êtes marié. Et les gens s'assoient là et disent bien que j'étais marié avant d'être marié ici et j'étais marié là-bas et je me suis marié ici et comment cela a-t-il fonctionné? Donc s'il était déjà marié et que vous ne saviez pas quelle était la vérité, la même chose que la fille qu'elle ne savait pas qu'elle commettait un adultère. Donc, avant que vous n'arriviez à la vérité et que vous divorciez, Dieu vous dit ceci et il vous le fait savoir une fois que vous avez appris la vérité. N'allez plus dans un autre mariage avec la compréhension du divorce.
Une fois que vous savez que vous êtes assis là, à dormir dans les parages, une fois que vous avez découvert la vérité. Ne dormez pas. Sleep around. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez vous remarier avec cette compréhension? Si vous vous remariez et maintenant vous connaissez la vérité, vous vous mariez, puis vous divorcez et vous le causez si un autre le fait. C'est sur eux, mais si vous le faites, vous avez un problème, mais Moïse a dit cela, il a dit que Moïse a dit ceci, nous sommes. Va découvrir pourquoi parce qu'ils veulent savoir pourquoi Moïse lui a donné la justice pour adorer et il leur dit. Il a dit Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous pensiez que vous étiez dans un partenariat, vous pensez que vous êtes dans un partenariat. Parce que les durcisseurs sont oui parce que vous pensez être dans le parti, vous pensez que vous avez des droits égaux là où vous voyez quelque chose de mieux, vous voulez aller à la meilleure voiture, vous voulez aller dans la meilleure maison vous. Je veux aller mieux ou quelque chose qu'il a dit souffrir pour éloigner vos femmes, mais dès le début, ce n'était pas le cas, voyez. Depuis le début, ce n'était pas le cas et les gens se promènent et enseignent cela là ou sauf pour fornication tu vois ce que je dis je veux que tu vois parce qu'ils disent ça ici. On vous enseigne selon le monde et j'ai été dans de nombreuses églises où ils le font, ils disent que si quelqu'un fait cela, sauf pour la fornication, vous pouvez divorcer et vous voyez clairement ici même quand Dieu s'est uni. Aucun homme ne peut se séparer comme si vous pouviez prendre une prise. À partir d'une autre prise d'une rallonge, vous ne pouvez pas le faire. En fait, voyons quelque chose que je veux vous montrer quelque chose ici. Nous allons trouver ces écrits ici maintenant à Malachie, nous allons regarder Malachie et nous allons voir quelque chose là-bas, nous allons regarder le chapitre 2 de Malachie et le reprendre au verset 12. En fait, je suis un peu plus bas dans ces écritures, nous allons le ramener au verset 12. Et nous allons voir ça ici, oui, à partir du verset 12. Et c'est la chose qu'il dit. Le Créateur coupera l'homme qui fait cela là où un homme est assis là à vous dire. Tu peux faire ça, tu ne joues pas avec des trucs de Dieu, ce ne sont pas des tuyaux et des mâles. Et les femelles des tuyaux, ce ne sont pas les cordons électriques, il va couper l'homme pour faire ça. Le maître et le professeur, il va couper l'enseignant, y compris l'érudit, y compris le étudiant afin que les gens traînent dans les endroits où cela est enseigné. Oh non si tu fais ça tu peux le faire non il a dit va te couper la parole et je vais couper celui qui tue. Enseignant cela, dit du tabernacle de Jacob, y compris celui qui offre. Toute offrande jusqu'à ce que le Créateur des armées et qu'il ait créé. À l'endroit où il peut nous montrer ce que nous devons faire, donc il dit que je vais te couper de ça. C'est de cela qu'il parle, donc l'Esprit de Dieu vous coupera des hommes pour faire ces choses, c'est-à-dire le professeur. Tout prédicateur qui vous enseigne cela. Vous pouvez le faire dans l'érudit de cet étudiant, je suis professeur, je vais leur couper la parole aussi. Parce que les gens aiment se déplacer et se marier, comme changer de sous-vêtements, les gens se marient 3-4. 5-6-7-8-9-10 fois. Dans le maître et l'érudit et tous les deux dans les vers et il a dit que je vais t'encaisser des tabernacles de Jacob. Vous offrez des cadeaux à l'Esprit de Dieu, comme changer vos sous-vêtements, est-ce un nom?
Tu ne peux pas te déplacer en épousant celui-là et en épousant celui-là, mais il a un peu plus à dire ici, tu as plus à dire que nous voulons nous concentrer sur. Ce verset 13, il est dit ceci, il est dit dans ce que vous avez fait à nouveau. Couvrant l'autel du Créateur avec des larmes, voyez, c'est le problème, c'est le plus gros problème. Israël, le plus gros problème, nous allons couvrir son autel. Avec des pleurs et des pleurs, il vous dit ici avec des larmes, avec des pleurs et des pleurs dans tellement qu'il ne considérait pas le. Offrez plus ou recevez cela avec bonne volonté à son pouvoir. At your power. Tu sais que ça fait tellement mal parce que tu dois juste rire de ça parce que nous avons eux. Beaucoup de femmes, elles font ça, elles le font, elles pleurent et pleurent, 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 pleurent. Pleure partout, pleure. Il pleure sur ce qui pleure sur ce qui pleure sur ce qui pleure sur ce pleure que moi et certains hommes le faisons. Maintenant je vais te demander à et je veux personnellement que tu fasses vraiment attention à ce que ça dit. Ou ce que je m'apprête à te dire, d'accord, Dieu pleut. L'eau nous donne l'image de la parabole et de la silhouette d'il nous donne la connaissance qu'il arrose le sol. Je veux que vous compreniez clairement maintenant, je vais vous poser une question. Je vais te poser une question claire. Et je veux que tu comprennes ce qui se passe ici. Peux-tu récupérer l'eau de la saleté? Peux-tu récupérer l'eau de la saleté? Cela fait partie de ce qui se passe. Peux-tu reprendre cette partie de la saleté? Non, vous ne pouvez pas enlever l'eau de la saleté, vous ne pouvez pas le faire. C'est comme essayer de donner la connaissance de Dieu. De la saleté, pouvez-vous récupérer l'eau du sable? Non. Cela n'arrivera pas, ces choses ne peuvent pas se produire, c'est ce à quoi nous devons vraiment faire attention, donc quand vous êtes assis là-dedans. Et ce qu'il dit ici est ceci juste ici. C'est pourquoi il nous dit cela juste ici. Une seconde j'ai eu mon eau, j'ai eu la route, je l'ai eu au mauvais endroit, désolé pour ça, alors il a dit. C'est ce que tu as fait encore une fois, couvrant l'autel du Créateur de tes larmes de l'armée en pleurant, tu cries. Essayez de penser que vous allez prendre l'eau de la saleté et l'offrir à Dieu la connaissance qu'il vous a donnée. Vous êtes. Va le régurgiter pour lui revenir, c'est de la folie. Je vais vous montrer quelque chose, juste un moyen que nous pouvons garder cette concentration à l'esprit. Je veux que vous vous montriez que je vais vous montrer ceci. Et une fois que nous aurons compris cela, nous ne devrions plus avoir ce problème. Nous allons le trouver dans Hébreux chapitre 12, nous allons descendre à verset 16. Je veux que vous voyiez quelque chose et je vais vous montrer ce que c'est nous qui le faisons. Dit qu'il y a au moins un fornicateur que vous voyez et que vous voulez vous remarier avec n'importe quel fornicateur ou personne profane. Vous comparez en tant qu'Ésaü, c'est vous comparer de la même manière qu'Ésaü parce que vous voulez forniquer. Tu veux faire ces choses? Tu veux sentir que tu peux le faire, alors maintenant tu vas monter sur l'autel Dieu et tu vas t'asseoir là et tu vas faire ces choses, il dit que tu profanes. Tu profanes tout comme Ésaü qui, pour un morceau de viande, est le droit de naissance. Oui c'est ça, c'est nous 101.
Parce que nous croyons que nous pouvons faire certaines choses pour un seul morceau de viande et ensuite nous apprenons la vérité. Mais nous voulons vivre dans le mensonge. Nous voyons les bénédictions et puis ce que nous allons faire, nous voulons couronner en agissant comme si nous allions lui envoyer un peu de connaissance, nous allons pleurer, nous allons envoyer nos larmes à Dieu et c'est pourquoi il nous dit ceci juste ici, vous allez envoyer à Dieu un peu de connaissance, vous allez lui envoyer des connaissances avec tes larmes, il est dit pour nous, car vous savez que par la suite, quand il aurait hérité de la bénédiction qu'il a été rejeté ou est-ce je ne veux pas que vous leur envoyiez aucune connaissance qui est stupide c'est de la bêtise comme vous allez envoyer à Dieu un peu de compréhension et vous le rejetez, vous n'avez trouvé aucun lieu de repentance ou de souvenir bien qu'il l'ait cherché avec soin avec des larmes. C'est de la folie. C'est la raison pour laquelle nous avons eu un problème aujourd'hui, mais allons-y un peu plus et allons-y un peu plus loin, dit-il. Pourtant, vous dites bien, parce que le Créateur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse contre laquelle tu as traité avec perfidie. Elle est ta compagne dans ta femme de cette alliance tu vois ça va revenir à aller. Pour en revenir à cela, nous ne pouvons pas contourner cela et nous croyons que nous sommes en un. Nous sommes dans un partenariat pour une raison quelconque, nous pensons être en partenariat avec Dieu, nous voulons une relation avec Dieu. Est-ce que vous avez une bonne relation avec Dieu? Non, ils veulent un partenariat avec Dieu, voyons, nous essayons de comprendre. Dire des choses et nous faisons la même chose, mais nous agissons de manière très juste pour nous assurer de comprendre ce que c'est tout ce que nous voulons dire. Ce discours signifie que vous traitez de manière trompeuse, engloutir, violer l'alliance entre l'homme et Dieu. C'est ce que nous faisons, c'est vous dire juste en face qu'elle est notre compagne, y compris votre femme pour l'alliance. Alors c'est le gage de l'amour. C'est le gage de l'amour, ouais en fait. Nous allons vous dire ce que nous allons nous assurer que nous sommes tous ensemble là-dessus, je veux être sûr que nous sommes tous ensemble là-dessus et simplement comprendre ce qui se passe à mesure que nous avançons, nous allons passer ici au proverbe et nous allons voir quelque chose là-bas dans le chapitre 8 des proverbes au verset 17. Christ a dit qu'il disait que j'aime ceux qui m'aiment. Le jeton, nous avons un jeton, mais nous ne savons pas comment ce jeton est configuré, nous devons comprendre comment ce jeton est configuré. Aimer. Amour, nous devons comprendre comment l'amour est mis en place cette promesse, nous devons comprendre comment ce jeton est mis en place parce que c'est une promesse pour nous assurer que nous comprenons ce qui se passe. Regardons quelque chose, puis nous allons en savoir plus, et nous y parviendrons. C'est ce que dit le verset 15. Dans Malachie 2 et 15 dit ceci, il est dit. Y compris n'a pas fait un, en a-t-il fait un ou en a-t-il fait deux, voire ne laissez pas les gens vous tromper. Vous éloignant de la vérité et c'est pourquoi j'essaie de prendre mon temps avec cela et de m'assurer que nous l'obtenons parce que nous devons comprendre ce mariage, l'image de la silhouette, nous voyons assez juste devant nos yeux. Donc la question est de savoir si Dieu en fait un ou en a-t-il fait deux.
Voyez, c'est la question qui est la question. Est-ce qu'il en a fait une ou en a-t-il fait deux? Et beaucoup de gens allaient te dire tout de suite qu'il en a fait deux et ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge, il en a fait un, il en a fait un et il en a fait un homme et une femme. Puis il les a rejoints ensemble, voyez, c'est ce qu'il a fait et je vais vous montrer et vous prouver le point et regardons ça, j'espère que je pourrai avoir à passer en revue à celui-là, je vais aller au chapitre 2 de la Genèse, je vais voir si je peux revenir en arrière et parce que tout ce dont j'ai besoin c'est ces versets juste ici. J'ai besoin de celui-ci ici à 26 ans, et il vous le dit juste ici. Ce qu'il a fait, il a dit et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il a dit, faisons de l'homme à notre image. Et l'homme devient alors singulier ou pluriel parce que l'homme est singulier. Voir encore une fois, c'est là que le système éducatif nous a fait défaut. Il nous a ratés parce qu'il n'en a fait qu'un, il a fait homme, mais regardez ce qu'il a dit parce que. Voir ici, il ne dit pas qu'il faut faire des hommes ou faire un homme et une femme, il ne dit pas qu'il dit qu'il faut faire l'homme dans notre image et après notre ressemblance et laisser les sept choses qu'il va faire un homme et une femme et qu'il va rejoindre. Ensemble tu vois qu'il n'est pas complexe, il n'est pas difficile, ce n'est pas fou, voir parce qu'il dit ça et regarde ce qu'il a fait ou sur la base de cela, regardons le verset 27. Il vous dit ce qu'il a fait, dit-il, et Dieu a créé l'homme à son image, l'homme à l'image de Dieu l'a créé un homme et femme. Tu le vois ici, il a fait un homme et une femme donc c'est juste là devant nous. Il a dû les joindre ensemble et la même chose que vous voyez ici et regardez, regardez ce qui se passe ici, je veux vous montrer pour nous assurer que nous allons juste obtenir cela ensemble, nous voulons nous assurer que nous comprenons tous cela ensemble dans la Genèse. Chapitre 5 verset 2, il revient à la même chose encore, il dit que les hommes et les femmes les ont créés et les ont bénis et appelle-leur, nommez-les comme un commun. Vous voyez comment cela se passe, vous voyez comment cela fonctionne. Vous voyez à quoi cela ressemble quand nous voyons cela. Donc ce n'est pas fou. Ce n'est pas bizarre. Parce qu'il les a rejoints. Mais il y en avait une, c'était juste une partie masculine et une partie féminine, il devait les unir, c'est tout et vous voyez la même image de silhouette. Voir la même image de silhouette ici, vous voyez la même image de silhouette ici, je vais vous montrer quelque chose, la même image de silhouette que nous sommes. Allez ailleurs et obtenir une meilleure compréhension de cette même silhouette dans le chapitre 34 d'Isaïe et en regardant. Verset 16. En regardant le verset 16, Isaïe 34 et le verset 16, il est dit ceci. Dis ceci dans le texte et laissez-moi le mettre en surbrillance, il est dit sournois du livre que vous ne voyez pas avec. Un S à la fin c'est un livre, c'est un livre, c'est singulière, il est dit que vous sortez du livre de l'Esprit de Dieu. Et lisez le singulier au singulier c'est tout. Mais regardez ça, il est dit qu'aucun de ces noms au pluriel n'est devenu pluriel, mais c'est dans le
Même livre, la même chose est un atome dans un atome, il contient un homme dans une femme contenue dans ce livre. Contient des livres, mais c'est le seul livre. Nous voyons ici où nous regardons les choses d'une manière différente et nous nous en assurons, mais c'est pourquoi je continuais à dire que les écoles nous ont échoué et c'est pourquoi le divorce est si élevé. Taux. C'est pourquoi un taux aussi élevé, la même cause est le résidu du reste. De l'esprit est en train d'être gagné. Donc nous devrions rechercher quelque chose de plus divin, mais cela nous dit. Prenez garde, il est dit ici, il est dit prenez garde à votre esprit et que personne ne fasse preuve de perfidie contre ta femme. De sa vérité afin que nous ne puissions pas traiter le trésor avec le et il faut vous parler même de la semence pieuse, la parole de Dieu, ne traite pas cela de manière perfide. C'est clair aujourd'hui, regardons cela au verset 16. Allons un peu plus loin, il est dit pour le Créateur, le Dieu d'Israël a déclaré qu'il détestait, tu vois ce qu'il dit qu'il détestait ranger. Il déteste ça. Juste en face de toi, il détestait. Donc on ne découvre même pas les choses plus tard où on découvre que les gens mentent parce qu'ils te disent juste s'ils détestaient ranger. Pour une couverture de violence avec son vêtement dit le Créateur de l'hôte donc attention à votre esprit. Que vous ne traitez pas perfidement, je vous ai donné quelque chose et je vous l'ai apporté. Ne traitez pas ça de manière traître. Ne traitez pas cette chose de manière traître, en fait, allons-y un peu plus, regardons Isaïe et nous allons aller au chapitre 4, puis verser cela un peu plus près, il est dit. Ce jour-là, cette femme se souvienne, du Deutéronome 17-17. Voyez, nous ne pouvons pas déconnecter la Bible, nous devons tout garder dans son ensemble, nous devons tout garder ce que Dieu a dit, nous devons garder tout cela ensemble et ne pas nous séparer. Rien de tout cela et comme nous ne séparons rien de tout cela, il est révélateur qu'en ce jour, cette femme devrait s'emparer d'un homme disant « Nous mangerons notre propre pain et nous sommes notre propre couverture ». Laissez-nous être appelés par ton nom pour à emporter notre réapproche ou à Waouh est la raison pour laquelle c'est si fou, c'est parce que maintenant nous sommes assis là, nous prenons quelque chose en charge. Nous ne voulons pas savoir que nous voulons un partenariat, nous ne voulons pas le mariage, nous voulons un partenariat. Nous allons manger notre propre pain, nous allons apprendre notre propre compréhension, notre propre doctrine, nous allons apprendre cela nous-mêmes et nous allons avoir notre revêtement propre mais nous voulons simplement être appelés par votre nom pour l'enlever pour réaborder c'est tout ce que nous voulons donc c'est le problème que nous avons. Aujourd'hui, même dans ce monde, parce que tout le monde a mis en place cela en tant que partenariat. Ce n'est pas un mariage, ce sont des partenariats qui sont mis en place partout dans le monde aujourd'hui. Ne pas être couvert par la violence et traiter avec perfidie l'Esprit de Dieu, est-ce que nous ne faisons pas cela? Oui, 100% parce que Dieu n'a pas rejoint. Dans un partenariat. Il ne se joint pas à cela parce que si vous vous joignez à Dieu, vous ne pouvez pas le séparer et vous allez être obéissant à lui. Pas un partenariat.
Donc si tu vas commettre un adultère et que tu vas en épouser un autre en te remerciant de divorcer, oui tu commets un adultère, il va te retenir responsable de ça et puis si quelqu'un d'autre épouse la même personne, tu divorces, il va commettre un adultère et tu vas être responsable de cela aussi, surtout vous connaissez la vérité, donc n'êtes-vous pas divorcé? Et mettre quelqu'un de côté, voir les temps d'aujourd'hui pour la dureté de notre cœur que nous avons traité avec perfidie, et trompeusement en bégovelin et en violant l'alliance entre l'homme et Dieu parce que nous avons traité avec son esprit. S'appeler traîtreusement nous la mettre à l'écart. C'est pourquoi nous le faisons dans le même outil que nous le faisons aujourd'hui, nous divorçons de nos femmes, nous divorçons de nos maris. Voyons ce qui se passe, nous voyons ces choses et nous n'y pensons rien, mais une fois que Dieu a rejoint ce mari et sa femme ensemble, ils ne font qu'un, même dans la fornication, et c'est pourquoi vous voyez lequel nous allons revenir maintenant et regarder ceci. 10 d'abord. C'est pourquoi j'ai dit que nous allions faire un petit voyage et ensuite nous allons revenir et il est dit que ses disciples lui ont dit après qu'il ait dit cela et c'est que quiconque devrait mettre de côté sa femme, ce que nous savons que cela ne peut pas être parce qu'il déteste. En train de mettre de côté, il vous dira qui a mis sa femme à l'écart et nous verrons ce qu'il dit ici. Il dit que l'Esprit de Dieu a dit qu'il détestait ranger quand il a dit quelque chose qu'il ne change pas. Quand il parle de quelque chose, il ne le change pas donc il vous dit de le dire à quiconque a mis sa femme à l'écart. Y compris avec l'inclusion pour être pour la fornication et parce que c'est principalement à cela que cela sert. Doit épouser un autre il commet un adultère c'est pourquoi il dit que, y compris pour être pour la fornication, vous êtes allé commettre l'adultère quoi qu'il arrive et il est dit que celui qui se marie fait du mal à celui que vous avez mis de côté et puis quelqu'un d'autre l'épouse commet un adultère, c'est pourquoi les disciples ont traité et compris cela si clairement le disaient les disciples, et ses disciples disaient là-dedans, si la cause est qu'un homme a vendu avec sa femme. Si c'est le cas et que je ne suis pas bien installé dans tout ça, ce n'est pas bon de se marier alors ce n'est pas bon de se marier parce que ce mariage ne doit mettre fin qu'à un seul séparé c'est Dieu. Tout le monde, juste parce que vous êtes marié, ne signifie pas que vous avez eu les mêmes dates de décès, vos jours de décès sont différents. Donc la compréhension des disciples, ils l'ont compris, parce que le seul qui peut le séparer, c'est Dieu, donc se soumettre les uns aux autres. Ou un domaine dans le monde et différentes choses qu'ils estiment enfreindre et tout ce qu'ils font, ils violent la violation du mariage. L'image de silhouette que vous voyez que Dieu a mise en place, vous voyez le prédicateur de silhouette se faire percer en chair et en os. C'est la folie que nous rencontrons, c'est la folie que nous rencontrons en écoutant la chair. Écoutez de la chair, en fait, versons un peu plus là-dessus, approchons-nous un peu plus. Approchons un peu plus de cela. Nous allons d'abord passer aux Corinthiens, puis nous allons regarder le chapitre 11 du verset 3, je veux que vous vouliez que vous arriviez clairement à vous montrer comment nous enfreignons cela, comment violons-nous cela, dit-il, mais je voudrais que vous sachiez que la tête de chaque homme maintenant nous découvrons quel homme est une femme dans un homme. Tu vois? Je veux m'assurer que tu comprennes ça, la tête de tout homme est Christ. Je vous dis juste ici, à l'avant, que vous ne pouvez pas le contourner, donc les hommes et les femmes sont en avance sur chacun d'eux, c'est Christ et il est dit que la tête de la femme est l'homme mais c'est encore une fois fondamentalement je l'obtiens pour verser les gens.
En Christ je comprends les pauvres, sous Christ je vais utiliser ces analogies pour parler de l'homme. Et la femme l'a compris, mais il va plus dans ce domaine où il explique plus en détail, où je peux vous montrer fonctionnellement comment cela fonctionne en fait avec le mari plutôt que la femme, mais quand on parle juste d'un homme, il fonctionnait toujours sur l'homme, à la fois l'homme dans la femme, mais il dit que la tête de la femme. C'est ce que nous avons confondu, c'est là que nous nous confondons réellement, c'est pourquoi je dis. Vous voyez tant de gens là-bas, c'est tellement foiré parce que nous avons tellement de personnes qui enseignent tant de types différents de doctrines et vous font parcourir toutes sortes de livres différents pour vous faire comprendre que vous ne devriez pas obtenir. Mais nous voulons comprendre fonctionnellement ce que c'est, et en fait nous allons revenir à ce que nous pouvons obtenir à nouveau, nous allons revenir en arrière et le récupérer à nouveau parce que je veux vous montrer d'autres choses. Et nous voyons cela ici et nous allons déplacer cela ici, nous allons déplacer cela ici aussi. Et nous allons déplacer ça ici pour pouvoir tout faire disparaître parce que je veux te montrer autre chose. Je veux te montrer autre chose. Et nous allons regarder les femmes, voir c'est là que la plupart des gens gâchent tout cela, la plupart des gens le considèrent simplement comme le esprit fondamentalement, c'est le bon sens, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas manquer cela spirituellement, il a trois significations, l'une d'elles est vraiment importante, mais je suis toujours en train de vous donner une signification spirituelle fondamentale pour savoir où nous pouvons le savoir en parcourant les Écritures, c'est ce que je vais faire. Et la raison pour laquelle cela a été écrit de cette façon, mais cela vous indique. C'est tout ce qui signifie que c'est une sagesse de l'homme, rien de plus, rien de moins spirituellement, c'est ce qu'ils disent. Donc quand nous voyons cette femme, la sagesse de l'homme, la femme, c'est ce dont il s'agit. Mais il y en a d'autres là où nous pouvons nous en rapprocher afin que nous comprenions cela et que nous obtenions plus près de cela pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc maintenant nous connaissons la sagesse de l'homme, donc maintenant quand nous retournerons ici pour à celui-ci, il est dit maintenant que la tête de chaque femme, l'esprit de l'homme est l'homme. Parler de toi, c'est parler de toi. Maintenant, nous voyons que nous avons une meilleure compréhension ici et pourquoi j'ai dit, et cela dit, y compris la tête du Christ et Dieu. Mais maintenant, nous devons comprendre pourquoi il a même dit cela et pourquoi nous utilisons ces analogies sur la manière dont la Bible l'utilise et pourquoi nous avons pour nous accrocher à la Bible et non à l'homme. Revoyons cela et nous allons nous rapprocher et Peter va nous aider sur celui-ci. Alors nous allons passer au second Peter, nous allons aller au second Peter et laisser Peter nous aider. Deuxième chapitre de Peter 1 et le ramasser au verset 10. Pourquoi cela est dit? Il dit pourquoi le frère du Père fait preuve de diligence et fait votre appel, y compris les élections. Entre les esprits, un qui vous a été apporté et un qui vous a été retiré, ce qui vous donne la possibilité d'en affronter un autre. Il dit que si vous faites ces choses, vous ne devez jamais échouer. Belle déclaration, voilà pourquoi cela a tout son sens dans le monde. C'est pourquoi tout est vraiment clair lorsque nous traitons de cela. Alors que nous regardons cela et que nous faisons notre appel lors de nos élections, je suis sûr que c'est pourquoi cela nous en dit encore plus avec cela ici, dans 1 John. C'est pourquoi celui-ci, beaucoup de choses sont vraiment importantes pour nous assurer que nous comprenons ce qui se passe dans le premier chapitre de John 4 et verset 1, nous avons donc dû faire cet appel à n'importe quelle élection, bien sûr, mais il est dit bien aimé, ne croyez pas tous esprits afin que nous ne puissions pas croire que chaque esprit est
Essayez les esprits s'ils sont de Dieu. Vous devez l'essayer pour voir si c'est de Dieu et cela vous dit pourquoi cela dit parce que de nombreux faux prophètes sont en train de sortir dans le monde, beaucoup d'entre eux étaient là. Beaucoup d'entre eux étaient là, donc nous en apprenons beaucoup sur ce que nous allons faire pour venir en arrière et passer en revue un grand nombre de ce genre de choses, mais nous devons essayer les esprits et voir lequel est la femme et lequel est l'esprit. Un homme donc nous devons les discerner et casser ces choses maintenant, en fait, je vais vous dire ce que je pense que je... Vas-y, vas-y et fais cet autre, nous allons te dire ce que, laisse-moi aller de l'avant et je vais te décomposer quelque chose. Regardons ça tous ensemble, laisse-moi voir, je vais y aller, ouais, allons-y et décomposons-le, nous allons. Allez-y et décomposez cela. Nous allons passer au chapitre 2 de la Genèse et je vais vous montrer comment cela se décompose réellement, nous allons regarder à quelque chose. Et de cette façon, nous ne pouvons pas rester assis là et dire que nous ne savons pas, donc il est dit ici. Il dit que le Dieu créateur a fait tomber le sommeil profond sur Adam, maintenant nous savons de quoi il s'agit réellement. Et assurez-vous simplement que nous avons bien compris ici, je vais mettre ici le chapitre 5 de la Genèse. Et le verset 2. Donc nous ne pouvons pas sortir de ce mal féminin créé, il ne les a pas bénis, a appelé leur nom Adam, donc il a provoqué le sommeil profond. Adam, le mâle et la femme, tu vois ce qu'il dit. C'est un homme et une femme et ce qu'il a fait. Il a pris. Il a dit Adam et il a dormi et a pris une de ses côtes et a refermé la chair. Au lieu de cela en remplacement, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a dit qu'il allait faire quelque chose, il l'a déjà promis, il l'a déjà promis, en fait. Juste pour s'assurer que nous sommes tous sur la même page, je vais vous la montrer pour m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde ici dans le chapitre 11 de l'Ecclésiaste, en le reprenant au verset 19. Au verset 19. Excusez-moi. Je vais leur donner un cœur parce que nous en avons deux, et il vous dit d'en choisir un. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon, mais il nous en a apporté un et nous en avons un. Vous savez que nous devons rejouer, nous devons être prêts à remplacer ça parce qu'il a dit que je vais le donner à vous. Donc il nous promet de nous donner quelque chose. Il a dit que je vais entrer dans un cœur. Excusez-moi, il a dit que je mettrai un nouvel esprit. Excusez-moi, je mettrai un nouvel esprit en vous. Cela prendrait et je prendrai le cœur de pierre de leur chair et je leur donnerai un cœur de chair. Donc comme il le promet, il a dit que je vais lui donner, il promet ce qu'il va faire, Et comme il dit cela, pour mieux comprendre cela, remontons au verset 17, obtenons simplement un mieux comprendre ce qu'il dit ici, il est dit donc ainsi dit le Dieu créateur. Il est dit que je vais même vous rassembler parmi les gens, y compris vous rassembler à l'extérieur des pays. Où je suis là où vous avez été dispersés, je vais vous donner la terre d'Israël, elle nous le dit tout de suite. Juste en face de ce qui va se passer, en fait, il en dit un peu plus ici pour relier tout cela. À la cravate 17 et 19 dans celui-ci dit, et ils viendront là et prendront loin de toutes les choses détestables, de toutes les abominations. De là, toutes ces choses détestables, Nous avons donc dû changer d'avis sur ce que nous faisions.
Donc nous regardons quelque chose et nous obtenons simplement une meilleure compréhension. Et pendant que nous examinons cela, rappelez-vous que nous ne pouvons pas contourner les Écritures en hébreu, cela nous prend et nous dit exactement ce qui se passe. Nous le faisons comme il le dit dans les Hébreux, chapitre 12, en commençant par le verset 1, il est dit, « Pourquoi pécher que nous sommes ? J'ai avoué, avec une telle nuée de témoins, le corps du Christ, c'est ce dont il parle. Laissons de côté tout poids, y compris le péché, qui nous assaille facilement, courons avec patience la course qui est devant nous, nous devons nous débarrasser de ces choses abominables et détestables, vous le voyez ici, cela nous dit, n'est-ce pas? Ici, il est dit, et ils doivent enlever tous les détails, ils doivent la raison. Pourquoi il dit une fois qu'il nous donne ceci ce cœur et toutes ces choses que nous allons à nous-mêmes maintenant peut avoir le capacité de savoir non nous ne voulons pas cela parce que les désirs ne sont pas là, le désir n'est pas là. Et voici ce que cela dit, donc maintenant nous ne nous lançons pas dans un partenariat, ce n'est pas un partenariat. En fait, revenons en arrière et regardons les choses de très près, ce n'est pas un partenariat et je vais vous montrer tout de suite où nous allons voir cela ensemble. Dans le chapitre 1 du Lévitique et le reprenant au verset 3:1 au verset 3. Il dit que si son offrande est un sacrifice brûlé du troupeau, qu'il offre un mâle sans condition, vous le voyez sans condition, il devrait l'offrir. De sa propre volonté volontaire à la porte du tabernacle la congrégation de l'Esprit de Dieu vous allez entrer dans ce. Et vous voulez participer à ce mariage, vous n'arrivez pas à un partenariat, vous entrez de votre plein gré, mais vous êtes. Va être obéissant à la parole de Dieu ce n'est pas une science fusée Dieu ne veut pas entendre ce que tu. Pour ce qui est du fonctionnement de ce mariage, il est le chef et vous dit qu'il est le chef. Christ est la tête et Dieu est la tête du Christ donc quand vous êtes assis là et que vous vous battez contre le mariage avec Dieu. En fait, tu vas contre Dieu, tu ne vas pas contre quelqu'un d'autre, mais en retournant ici pour Genèse et nous allons regarder cela comme il l'a dit au verset 22. Il dit le réel que le Créateur. Dieu a pris à l'homme en a fait une femme. Vous voyez ce qui s'est passé, il a fait de lui une femme et a elle à l'homme. Donc il a créé un esprit pour l'homme, il a fait cela, il a créé un esprit pour l'homme juste là. Et nous l'a apporté à qui l'homme, l'homme et la femme qui se sont unis. Qui se sont réunis. Rappelez-vous ce qui est écrit ici. Eh bien, je veux juste que vous gardiez à l'esprit pour que nous ne soyons pas trébuchés parce que les gens vont rester assis là et maintenant je dis au bien ici dit ceci et John 3:16 non, sortez de ces analogies folles la Bible ne contredit pas ces déclarations sur quoi que ce soit et c'est là que nous rencontrons vraiment le problème parce que les gens vont contredire les Écritures qui disent ici. On dit cela ici l'on dit, mais ils n'ont pas compris la loi. Donc comme ils ne comprenaient pas la loi, ils vont contredire les Écritures en faisant apparaître des Écritures à différents endroits sur ce. Leur compréhension est, c'est le problème en fait, dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 19, cela dit quelque chose que nous venons de regarder. En 1119. Comme il l'a dit et nous verrons ces choses, dit-il, je leur donnerai un cœur et mettrai un nouveau.
Esprit en vous et prenez le cœur de pierre de la chair et nous leur donnerons un cœur de chair et avec cela. C'est ce que tout le but était qu'Adam donnait aux gens le nom de choses et faisait ces choses et nous devons savoir ce que c'était et la même chose que vous voir quand nous reviendrons ici à la Genèse et montrerons à ses chéris à quel point ils dirigent tout cela ensemble dans le chapitre 2 de la Genèse en le ramassant à verset 19, nous découvrons quelque chose. Nous découvrons quelque chose ici, cela dit. Et c'est à partir du sol que l'Esprit de Dieu a formé chaque bête des champs dans chaque la volaille désert, y compris les a amenés à Adam, l'un qui sont là ensemble, il l'a amené à Adam pour voir comment il les appellera. Et quel que soit son nom, qui parle d'autre chose, peu importe ce qu'il appelle chaque créature vivante. C'était ainsi. Je vous le disais juste là, d'entrée de jeu, mais nous devons comprendre comment cela fonctionne réellement parce que nous voir comment ça va se passer à long terme, comment ce mariage va voir comment ça va se passer. Voir quand Christ est venu sur le son quand il est venu sur la scène, je vais vous montrer quelque chose quand il est venu sur les lieux, une certaine chose qu'il a fait. Une certaine chose s'est produite et vous voyez quand Christ traînait avec eux et faisait certaines choses. Dans le chapitre 8 de Luc et le verset 29, nous allons voir quelque chose qu'il a fait, quelque chose qu'il a fait, nous allons voir cela au verset 29. Et nous le voyons en 829 car il avait commandé l'esprit impur pour sortir de l'homme. Il a ordonné à l'esprit impur de sortir de l'homme. Souvent, il l'avait appelé et il le gardait et gardait et était gardé lien avec des chaînes. Et baignait. Et des beignets, et c'est une pensée complète, la raison pour laquelle c'est si important parce que les beignets ne font que vous en parler par la servitude ou la servitude, c'est tout. Ils disent qu'il l'a gardé enchaîné dans la servitude ou la servitude. L'esprit impur, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un mariage et c'est là le problème et il est dit. Il a enfreint les interdictions et a été conduit le diable dans le désert où nous en sommes aujourd'hui. Le problème est que nous avons couru dans le désert et que nous ne cherchons pas Christ, nous cherchons à nous joindre à la même chose. Problème que nous avons aujourd'hui parce que nous sommes assis là en tant que notre esprit là-bas et que nous sommes seuls et qu'il traverse ces problèmes. Et vous êtes libre, nous avons rencontré un autre problème parce que beaucoup de personnes ont un gros problème. Mais il est assis là et il, oh bien, je suis là tout seul, je suis là, je suis là, je suis là et je fais ça, je suis là et je fais ça. Vraiment parce que c'est la première chose qui va sortir et c'est arrivé la première chose quand il a ordonné à cet esprit impur de sortir, c'est ce qui se passe. À la plupart d'entre nous, il est dit et quand l'esprit impur est sorti d'un homme quand il est sorti, il l'a obtenu de vous et il est dit et promenez-le dans des endroits secs. Où vous pensez qu'il est là où vous pensez qu'il est. Il n'a pas conduit des endroits où il était dans la nature dedans, mais il marchait dans des endroits secs à la recherche de repos et de trouver ce n'est pas. Donc comme il n'a pas pu en trouver et qu'il en a beaucoup d'autres là-bas qui ne peuvent pas trouver de repos dans le monde et son autre assis là-bas, qu'en pensez-vous? À propos du puits de chasse, nous en reparlerons plus tard, eux, comme ils sont là-bas, comme ils sont là-bas. Voyons plus donc ce qui se passe ici, voyons ce qui se passe de plus ici.
Alors il a dit que je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et il est en train de le trouver vide, balayé et garni assis là-bas avec ce spectacle ressemble à un bel endroit pour moi maintenant. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas inviter des amis pour t'assurer que tu ne vas pas te débarrasser de lui cette fois, il s'assure que tu ne vas pas le faire. Cette fois donc c'est ce qui se passe, il a dit qu'il allait le prendre avec lui-même pour que vous voyez qu'il est. Va avoir des garçons maintenant, il va s'assurer que tu ne vas pas te débarrasser de lui cette fois, il va s'assurer que tu ne vas pas le mettre dehors cette fois. Il va avoir sept autres esprits plus méchants que lui parce que cela ne va pas. Il ne lui arrive plus d'entrer et d'y habiter. Y compris le dernier état de cet homme est pire que le premier même social. Ce soit aussi pour cette génération méchante. Oh non, tu ne vas pas me refaire comme ça quand je reviendrai, j'ai des garçons avec moi donc. C'est pour ça qu'il te dit ici qu'il l'a apporté et qu'il ne peut que te l'offrir, qu'il ne va pas s'asseoir là et faire de toi un robot, donc on a un problème, c'est pourquoi je dis. Il s'agit vraiment de s'assurer que nous comprenons la doctrine du Christ, alors regardons cela un peu. Mieux si nous regardons vers le bas, nous allons regarder le verset 23. Il est dit et Adam a dit que c'est maintenant l'os de mes os. De mes os. Y compris la chair de ma chair, elle sera appelée, elle devrait être appelée femme, et ça dit que tu as appelé édition appelée C-A-L-L-E dès qu'il vient d'être nommé. Complot et ce que ça parle de ce que ça veut dire spirituellement, ça va être nommé, elle devrait être nommée. Femme sagesse, un homme à Adam parce qu'elle a été emmenée un homme. Alors, que savons-nous, ce qui m'appelle le plus quand nous voulons savoir spirituellement ce que cela dit réellement? Spirituellement, ce que cela dit quand nous voyons un appel. Laissez-moi me laisser aller ici où nous pouvons obtenir cela parce que je vais en faire combien nous ne le faisons pas, nous allons être éduqués aujourd'hui. Donc voyons quelque chose dedans et nous allons voir savoir ça alors appeler. C'est te dire ça. C'est ce que cela vous dit, fondamentalement spirituellement, oui, comprenez, mais que signifie tout cela ensemble quand il s'agit d'un appel et nous voulons savoir ce que Dieu dit spirituellement sans non 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 ne. Les chasseurs et tout ce qui se trouve derrière vous, nous voulons savoir ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons voir ce que cela signifie spirituellement à 100% parce que l'appel dit toujours spirituellement cela, mais le principal, voici une partie de ce que vous voulez savoir. C'est ce que cela signifie et cela dépend de la façon dont vous le voyez, cela dépend de la façon dont cela est formulé dans les Écritures, donc appelez moyen ensemble nommé. Ensemble nommé, je veux que vous fassiez attention à la façon dont cela ne vous dira pas quoi de mieux encore, laissez-moi vous montrer quelque chose à où nous pouvons faire en sorte que nous puissions obtenir un peu de clarté, obtenir un peu pourquoi est-ce que vous dites avec ce mariage, pourquoi je vous dis cela. Et regardons ça ensemble,
Regardons ça ensemble, nous allons aller voir Luc et je vais vous montrer quelque chose que je vais retourner quelque part en courant, mais je vais prendre le temps. Route, nous allons prendre la longue route et nous allons regarder le chapitre 1 et le verset 31 de Luc. Je veux vous montrer quelque chose et faire. Bien sûr, nous l'avons compris et c'est la partie dont nous allons nous souvenir et je ne vais pas les mettre en évidence ou mettre en évidence certaines parties. Il dit et souviens-toi que tu vas concevoir dans ton ventre, je veux souligner cela. Y compris devrait donner naissance à un fils et puis je vais le lire à nouveau. Et je devrais appeler ce nom. Oui. Certaines personnes vont utiliser Jésus, donc nous avons obtenu ce clair assez clair, nous l'avons maintenant. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que nous allons rester assis là, nous allons découvrir certaines choses, nous allons découvrir certaines choses que nous allons voir. Donc revenons ici, nous allons revenir ici. Nous allons regarder quelque chose à nouveau. Vous pouvez obtenir une meilleure compréhension et nous sommes assis là et nous voyons cela ici. Nous voyons cela ici, nous allons déplacer cela vers le haut et le déplacer vers le haut pour que nous ayons des choses un peu partout pour que je puisse commencer. En effaçant une partie, mais je l'ai juste partout, donc ce que nous voulons faire, c'est le savoir. Donc nous le savons ici et je suis presque sûr qu'ils l'ont mis là, je suis presque sûr qu'ils mettent ça dans leur nom. Nous savons que c'est ce que c'est que vous ne pouvez tout simplement pas dire oh allez par son nom non vous devez aller par son chemin, afin que nous sachions que c'est. Nous savons que cela apparaît là-dedans. Mais je ne suis pas sûr de la façon dont cela apparaît dans votre Bible et je ne vais pas utiliser la traduction. Mais tu sais, nous savons que cela signifie qu'une seconde. Une seconde pour que nous sachions que cela signifie que là et nous savons que c'est juste là. L'autre partie que nous voulons savoir est la suivante. Nous voulons l'utiliser ici et nous voulons utiliser la version. La raison pour laquelle nous voulons nous assurer que nous les comprenons est claire pour plus de clarté. Afin que nous sachions cela aussi. C'est ce que cela signifie donc maintenant nous les avons et nous savons ce que cela signifie et tout le monde sait ce que cela signifiera donc. Parce que cela vous dit même dans les Écritures de nous aider, mais je veux juste m'assurer que nous sommes tous ensemble là-dessus. Et nous savons que cela signifie cela parce qu'il le dit même. Donc nous les connaissons donc nous savons que ce sont là, nous savons que tous ce sont là, donc maintenant que nous savons que nous allons découvrir quelque chose maintenant, revenons aux Écritures et nous savons ce que cela signifie, alors maintenant Paléo. C'est ce que c'est tout ce que je viens de donner. Vous les traductions là-bas à l'endroit où vous les voyez, alors revenons maintenant aux Écritures et ils vont nous le dire à nouveau. Alors maintenant, regardons cela à nouveau, il est dit, et rappelez-vous que vous serez enceinte et non blessée, vous devriez concevoir dans votre ventre et vous devrez donner naissance à un fils dont nous connaissons un fils en fait, je ne l'ai pas mis là-bas, mais nous savons qu'un fils parle aussi d'un serviteur ou d'une semence. Donc il parle d'un des mêmes. Et puis il est dit en vous voyez juste là où il s'assure qu'il veut être clair mais il va être pur et un. Séparé mais il va être sous Dieu, mais mieux encore, ce que nous voulons faire, c'est que vous voyez l'ange dira. Marie, ne crains pas que tu aies trouvé grâce auprès de Dieu, mais plus encore, je veux m'assurer que nous comprenons clairement cela et je vais tirer. Je vais extraire quelques autres écritures à faire. Bien sûr que nous tuons tous les mensonges de la façon dont vous allez voir cela,
Nous allons regarder le chapitre 7 d'Isaïe au verset 14. Et vous allez voir plus pourquoi cela se passe ainsi dans le chapitre 7 d'Isaïe en reprenant au verset 14 et si vous avez du papier, vous vous assurez de noter cela parce que cela vous montrera beaucoup de choses et assurez-vous qu'il n'y aura pas d'erreur lorsque vous montrerez cela à quelqu'un parce que maintenant, ils ne pourront pas le contourner et il est dit que pour cette raison, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Souvenez-vous d'une version, d'accord, maintenant, nous voulons juste que vous regardiez cela et que nous voyons la différence entre les deux versions. Ce qui signifie impur séparé, c'est tout ce que cela signifie, mais en fait, ceci ici. Ce sont deux versions distinctes, mais vous pouvez les utiliser ensemble, mais ce n'est qu'une version séparée. C'est tout ce qu'ils disent. Et revenons maintenant à l'endroit où nous en étions, il est dit qu'un pur séparé concevra et porter un fils, y compris doit appeler son nom Emmanuel Dieu avec nous. Maintenant, nous devons comprendre cela, nous devons comprendre maintenant, regardez ce qui se passe. Nous allons utiliser celui-ci ici. Nous allons utiliser celui-ci ici parce que je veux que vous y alliez. En fait, je vais vous dire quoi de mieux encore, laissez-moi déplacer celui-ci ici. Nous allons déplacer celui-ci ici et je vais mettre celui-ci ici et maintenant nous allons revenir à Isaïe donc nous allons le mettre nous allons. Mettez tout en place et assurez-vous que vous pouvez clairement voir ce qui se passe ici, donc nous allons regarder Roman je veux dire Isaïe chapitre 9 et verset 6. Et maintenant nous allons tout obtenir ensemble et comprendre ce que cela signifie dans son ensemble et pourquoi nous avons été si mal éduqués maintenant. Nous allons voir pourquoi. Maintenant, il arrive ici, il est dit pour nous un enfant est né, c'est l'enfant que Marie a fait naître. Elle fait naître cet enfant pas Christ mais tu vas voir ce qui se passe, tu verras ce qui se passe donc elle va faire naître cet enfant qui est ce qu'il dit devrait appeler son nom salut mais regardez ce qui se passe nous allons revenir ici à 9:6. Il nous dit qu'un fils est donné. Souvenez-vous de cette femme Christ. C'est ce qui nous est donné maintenant avec ce mot, avec cet esprit. Nous est donné dont nous voyons cela ici cette femme et nous a amené à l'homme dont il parle. Mais nous allons en savoir encore plus parce que maintenant nous allons le voir partir. Vous verrez dans une seconde, il est dit que le gouvernement sera sur ses épaules. Christ et il dit que son nom sera appelé son chemin allons regarder appelé à nouveau juste faire. Bien sûr que nous comprenons tous cela ensemble, ce que l'on appelle c'est vous dire ensemble. Nommez donc revenons en arrière et vous montrons le nom si ensemble, alors regardons-le maintenant. Maintenant, regardons cela en arrière avec les Écritures et nous allons le voir, cela dit est sur son épaule. Vous savez que le gouvernement devrait être, mais son chemin sera nommé ensemble. Merveilleux conseiller le Dieu puissant parce qu'il est avec nous. Père éternel le Prince de la paix, ce n'est pas complexe. Ce n'est pas fou, ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit tout au long. Le temps c'est ce qui se passait parce que c'était Emmanuel ô mon Dieu avec nous. Regardons cela de la même manière que vous voyez ici, car nous comprenons maintenant ce qu'il dit, revenons à 32. Et maintenant voyons ce qui se passe parce qu'ils sont appelés ensemble quelque chose regardez ça dit qu'il. Cet enfant doit être grand, y compris doit être ensemble. Nommez le serviteur du plus haut, maintenant nous nous rapprochons de ce qui se passe. Maintenant, vous voyez ce qui se passe maintenant, il est dit dans le Créateur que Dieu devrait lui donner le trône de son père. David.
Maintenant que nous voyons ce qui se passe, c'est pourquoi les gens dont je parle dans les écoles nous ont gravement échoués. Mais l'essentiel est que nous voulons savoir pourquoi il va être la façon de David voir ces choses que nous devons savoir et comprendre pourquoi il dit des choses et pourquoi ses messagers disent ces choses, c'est ce que nous voulons savoir et nous ne le savons pas, et si nous ne l'obtenons pas, nous ne le ferons pas. Nous ne le saurons jamais mais allons-y mieux et nous allons obtenir quelque chose en eux. Allons à Sorak très vite. Et donc Rock en fait qui est dans votre apocryphe et qui nous donne juste une quantité irréelle d'informations, mais nous voulons voir ce qui se passe avec David. Pourquoi dites-vous David in David, nous verrons dans 47 au verset 1. Nous allons descendre et juste obtenir des informations sur David pour trouver sur ce qui se passe avec David et pourquoi il voulait et il parle qu'il va accéder au trône de son père. David et découvrez pourquoi parce que vous pouvez vraiment voir que vous n'avez pas vraiment voyagé avec David et vous voyez que c'est enterré à Sorak, mais cela est dit ici et vous voyez, je vais juste mettre en évidence, il est dit, et après lui, Nathan s'est levé pour prophétiser au temps de David. Ok tout le monde nous savons ce qu'est David, David et c'est un homme David et son homme mais ce que j'ai dit, il dit. En comparant la graisse retirée de l'offrande de paix, David a donc été choisi, des enfants d'Israël. Mais il fina s'est mis dans des trucs fous avec David, il a dit qu'il jouait avec des lions, comparant le gamin à des ours, comme pour les agneaux, bien comme un enfant. Y compris avec le cul des ours avec des agneaux. Ok, je n'ai pas besoin de me balader avec Dave, tu dois voir que ça coupe tout ce qui est coupé à sec David que je reçois. Prêt à jouer avec des lions je m'en fous entraîner un demi-train non entraîné type de train type de train type de train C. Eux ils se sont dopés ils je me fiche de savoir comment ils vont je ne vais pas jouer sans lion. Ça n'arrive pas. Tu peux raccrocher ça et puis il va jouer avec des ours comme avec des agneaux donc de la même façon que tu joueras avec un agneau. Il joue avec un ours qui roule, d'accord, l'ours pourrait dire Juiceman accidentellement Nicky Mine. Mec tu as bon goût c'est ça fait partie de la chose qui est. C'est ce qui se passe sur ce que nous voyons donc c'est pourquoi c'est si important. Pour vous assurer qu'il passe. C'est pourquoi nous devons nous assurer que nous voyons cela bien et nous assurer que nous passons par là, mais regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe. Il dit juste ici. A tué il n'était pas un géant quand il était encore jeune et n'a-t-il pas emporté le réapproche de la part des gens quand il a levé la main avec une pierre. Dans une écharpe dans la fronde et battre l'avantardise de Goliath. Of Goliath? Vous voyez ce qu'il dit ici parce que Goliath était là à parler de trash. Il a éliminé Goliath, ses frères, et tout le monde n'a même pas voulu passer en revue cet accord avec cet homme. Goliath l'a regardé comme mec, vous allez tous amener ce petit chien, je l'écrase et j'entremettez. Dans certains travaux, c'est pourquoi il parle, c'est pourquoi vous parlez de David, cela dit ceci. C'est pour lui ensemble, vous voyez ici, ensemble, nommé sur le nom qui est la voix sur le plus grand créateur, y compris il lui a donné de la force dans son
main droite dans son pouvoir droit et a tué un puissant guerrier et a mis en place la corne, la lignée de son peuple, c'est pourquoi c'est ainsi que le lignée des gens ont été mis en place, vous disant juste là, mais ça vous en dit plus, il vous en a dit plus. Dit-il, les gens l'ont honoré de 10 000 et l'ont loué en bénédiction du Créateur et qu'il lui a donné une couronne de gloire. Lui a donné une couronne de gloire, c'est-à-dire une séparation de la gloire, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont couronné dans ce « en fait », eux, allons-y un peu plus. Et il vous dit qu'il a détruit les ennemis de tous côtés et n'a pas amené le Philistin ses adversaires et brisé leurs cornes, leurs lignées et sonne d'or jusqu'à ce jour David. Donc il dit qu'il voulait vous donner la même pièce, ce même repos, c'est pourquoi j'ai dit que je lui donnais le trône parce que David, tu vois, quand Salomon est venu avec la sodomie, ils n'ont eu aucun problème, Salomon hâte ne te dira pas quoi de mieux encore, allons-y, allons-y. Regardez Salomon mieux encore parce qu'en plus de vous le dire, il est facile de vous le montrer pour vous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde ici. Dans le chapitre 22 des premières chroniques, la raison pour laquelle il veut faire que nous allons regarder le verset 9. Verset 9. Il dit, rappelle-toi qu'un fils naîtra de toi qui sera un homme de repos. C'est l'homme du repos Salomon parce que son père a même tué tout le monde, dit-il, et je vais lui donner du repos de ses ennemis autour de lui, car son nom sera Salomon, le fils de David, lui donnera paix et tranquillité à Israël. À son époque, pourquoi papa tuait tout le monde, n'est-ce pas, tout le monde est mort maintenant, nous le voyons ensemble. Maintenant, nous voyons donc quand vous voyez cela ici, cela vous dit ce qui se passe, il devrait être appelé. Il devrait être appelé. Ensemble nommé ou pour rassembler ses façons de servir au plus haut. Son chemin va être les voies du plus haut et cela continue plus. Parce que c'est notre nom signifie ses manières si ensemble nommés ensemble ses manières. Et du plus haut c'est rien de complexe, rien de fou, mais nous verrons ici au verset 33 il est dit et il devrait régner sur la maison de Jacob. Pour toujours son royaume il n'y aura pas de fin, maintenant nous l'avons, maintenant nous l'avons. Now we get it. Et vous allez un peu plus loin et c'est ce que Marie dit puis a dit Marie jusqu'au messager à l'ange à ce messager oui comment cela peut-il dire que je ne connais pas un homme non non aucun homme. Je suis fiancé mais je ne connais aucun homme. Vous voyez ce qui se passe ici maintenant, nous comprenons mieux ce qui se passe. Mais nous verrons au verset 35 ce qui s'est passé dans. Répondit le messager et lui dit le sincèrement, le Saint-Esprit. Le corps du Christ, l'Esprit de Dieu et bien les gens, nous savons déjà ce qui se passe avec cela. Il dit qu'il viendra sur toi, y compris la puissance du plus haut, te couvrira de l'ombre, ils sont assis là. Disant qu'il va placer une graine et que vous ne voyez pas qu'il n'y a nulle part là-dedans, vous ne voyez pas, il va l'éclipser et placer une graine dedans, vous ne voyez rien là-bas, n'est-ce pas? Mais ils sont des trucs qu'ils ajoutent, ce sont des trucs qu'ils avaient, mais regardez ce qu'il a dit, il a dit et vous éclipsera. Pour cette raison également, la chose sainte, cela devrait... Nous ne serions pas en train de dire « la chose sainte qui naîtra de toi sera ensemble ». Nommé ou ensemble de la façon.
du Fils de Dieu clair pour qu'il remonte et pourquoi il nous retient ce que nous ce que je. Je le disais tout à l'heure parce que nous devions revenir à ce que nous avions compris à l'origine, dans ma Marc, chapitre 10 et verset 9. Nous avons pour y revenir et voir en quoi consistait tout cela parce que maintenant nous le comprenons de plus en plus, alors que nous avons fait ce long voyage, nous comprenons maintenant mieux. Alors ce qui se passait, a-t-il dit, alors qu'est-ce que Dieu s'est réuni, que personne ne mette un dimanche ne peut pas aucun homme séparer si Dieu vous a rejoint dans le corps du Christ, personne ne peut le séparer, donc si vous vous dites que vous êtes marié au Christ, vous ne pouvez pas le séparer maintenant, nous voyons l'intérêt. Maintenant, nous voyons plus le point et c'est pourquoi Dieu l'a rejoint dans l'homme. Mentir, vous parlez de l'amour dans les mariages pour obtenir un divorce est une erreur à 100% dans les Écritures. S'ils disent qu'ils vous racontent cette Écriture, ils vous disent 100% un mensonge à 100%. En fait, ceci, creusez un peu plus là-dessus. Approfondissons un peu plus ceci. Dans Matthieu, chapitre 22 et verset 23, approfondissons un peu plus ce. Et ensuite nous pouvons commencer à creuser davantage là-dessus et nous allons commencer au verset 23. Nous allons commencer par là et nous voulons obtenir de la compréhension là-bas et cela dit ceci. Il dit ceci ici, il dit que le même jour, les sciences lui sont venues et disent qu'il n'y a pas de résurrection. En demandant qu'il n'y ait aucune résurrection. Vous voyez ce qui se passe maintenant, nous devons nous souvenir que la résurrection a même lieu en ce moment. Mais nous allons découvrir beaucoup plus de choses sur ce qui se passe ici. Mais ils disent qu'il n'y a pas de résurrection et que les gens les croient, une fois qu'ils meurent, puis qu'ils vont être ressuscités, puis ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans, puis ils vont le faire, je suppose qu'ils vont mourir. Encore une fois, ils vont être ressuscités, c'est de la folie, mais cela a été enseigné aujourd'hui, vous pouvez aller presque partout où ils parlent, oh nous allons régner avec Dieu. Depuis un millier d'années, ce n'est pas la vérité parce que si vous arrivez à la connaissance de la vérité, vous le ressuscitez tout de suite, mais regardons cela un peu plus, mais c'est pourquoi ces graines saoudiennes et les pharisiens, c'est pourquoi ils ont eu ces problèmes. Et vous voyez cela ici, il est dit dans la demande et vous voyez ce qui s'est passé ici donc ce qu'ils essaient de faire est de le piéger et ils adorent le piéger parce que ils vont toujours vous raconter une histoire et ils ont dit que le maître a créé, maître mis en place, rencontré, mis en place, dit maître Moïse dit que si un homme est mort, n'ayant pas d'enfant, son frère épousera sa femme pour élever des graines. Au frère, à son frère, vous voyez, ils essaient de le voir, ils essaient de le piéger et de regarder ce qui se passe ici. Verset 25 Ils l'ont soudainement installé magnifiquement et mais vous allez voir à quel point c'est stupide, il dit maintenant qu'il y avait avec sept frères, tu vois maintenant que tu vois la configuration, c'est sept frères, donc nous n'allons pas dire que c'est juste aussi. Nous allons dire qu'il y avait sept d'entre eux sept frères, tout comme sept esprits, mais c'est à côté de la question et il a dit sept frères le premier quand il avait épousé une femme décédée, y compris n'ayant aucun problème, a laissé sa femme à son frère afin qu'il je l'ai laissé à son frère. Voilà, je dis que c'est comme ça qu'il le pompe. Il en va de même pour le deuxième, y compris le troisième. Et jusqu'au septième, donc cela a continué, Jésus est ce qu'ils font. On l'a eu sur eux, on l'a eu sur celui-là, on l'a eu sur celui-là, regardez ça et le dernier de tous est mort aussi. C'est ça, c'est là-bas. Mais une fois qu'ils vont s'asseoir là et ils vont essayer d'attraper l'hameçon. Tout le chemin en lui et voilà, juste ici, c'est le crochet qu'il dit pour cette raison.
Dans la résurrection, c'est la prise dont il sera la femme, quelle femme sera-t-elle? Des sept qui est le clincher et ils se font appeler check and mat ne sachant pas comment jouer. Les échecs, mais eux possèdent le mien, mon pote de vérification, c'est comme un gars qui entend stupide la même chose qu'il ressente. Il vérifie et accouple quelque chose en jouant littéralement, eux, aux dames. En première année et ne jouant pas du tout aux échecs. Alors ils ont dit, car ils l'avaient tous, alors ils l'avaient tous eu, mais sur les sept frères du résurrection qui est sa femme. C'est ce qu'ils veulent savoir et c'est ce qu'il faut voir dont je vous pose la question la plus stupide du monde et la même chose que vous avez des gens qui se disent enseigner la Bible font certaines des questions les plus stupides de toutes parce qu'ils pensent qu'ils vous ont. Vous posant des questions basées sur quelque chose qu'ils pensent que vous ne savez pas, alors ils ont donc mis en place une sorte de scénario fou comme celui-ci. Et puis ils croient qu'ils vont te faire attraper sur la base de ce scénario fou, mais il leur a répondu. Mais encore une fois, je parlais à l'un de mes diacres et je pensais avoir dit que vous ne vous direz pas ce que j'avais à faire pour revenir sur Bob Paul. Je dis parce que oui j'étais timide tu vois à quel point je n'essaie pas d'expliquer des choses il te casse et si tu ne sais pas ce qu'il te dit. Un peu coincé c'est un peu comme ça qu'il est à peu près de bien des façons qui est à peu près comme il est mais regardez ce qu'il fait, il a répondu parce que. Il a répondu à ces gars et donc ils veulent savoir car ils l'ont tous eu alors il leur a répondu. Sa propre réponse personnelle disant qu'ils auraient mieux fait d'aller voir quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas grave, ce sont les Écritures, donc nous sommes arrivés à parcourir cela, il dit, vous trompez de ne pas connaître les Écritures ni le pouvoir de Dieu, cela vient de Yahvé, cela sort tout droit de sa bouche. Vous ne comprenez pas, êtes-vous si stupide, c'est littéralement ce qu'il dit, nous avons compris, attendez une minute. C'est vous, c'est stupide. C'est comme ça que je parle quand je parlais à ces gars avec Henry Stevens, lui et Hosanna, la même chose, sont-ils si stupides, êtes-vous de ce genre de stupide? Vous vous trompez de ne pas connaître les Écritures, connaissez le pouvoir de Dieu, regardez ce qu'il dit ici, regardez ce qu'il dit, j'essaie et il est. Il dit qu'à la résurrection, ils ne se sont ni mariés ni donnés en mariage. Je n'ai rien à voir là-dedans, c'est le but. Dans la résurrection n'ont jamais rien à voir avec le mariage. Rien ne regarde ce qu'il dit ici, mais sont comparés ici par rapport à la messager de Dieu, c'est ce dont il ne parle pas de Danois. Te marier au ciel pas tes anges tes messagers de Dieu. Maintenant. Ok, tout le monde se débarrasse de ce stress, donc nous savons que c'est bon. Mais dans la résurrection, il n'y a rien de tel que le mariage ou le fait d'être donné en mariage, dans la résurrection, vous n'êtes que des messagers de Dieu, c'est tout ce que vous êtes. Faire et avec le messager, vous êtes assis là et vous dites aux gens de donner aux gens la compréhension de ce qu'ils doivent faire. En fait, eux, regardons ça, eux, et c'est pourquoi vous dites cela, et donc c'est plus ce que nous verrons. Donc nous verrons cela dans Matthieu chapitre 11 et nous le reprendrons au verset 12. Et il vous dit ce qui se passe à l'avant. Dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux a subi des violences et des violences prises par la force. C'est ce qui n'est pas déjà arrivé, c'est ce qui se passe en ce moment,
Donc nous sommes ici juste pour vous dire que le royaume de Dieu arrive, le royaume de Dieu arrive si longtemps que nous laissons. Les gens savent que le royaume de Dieu arrive, nous pouvons vous avertir parce que cet endroit est pris par la force, mais il vient, mais quand il vient, il va tout mettre en ordre. Mais si nous nous asseyons là pendant que nous entendons et que nous apprenons, nous enseignons aux gens tout ce qui vous concerne, connaissez la parole et le royaume de Dieu vient et toutes ces choses arrivent, mais ensuite vous voulez vous marier parce que vous avez des désirs charnels dans lesquels vous voulez entrer, puis vous changez cela et si vous ne pouvez pas contenir juste vous maintenant, si vous voulez vous déplacer juste vous-même maintenant, vous allez avoir des ennuis. C'est ce dont il parle parce que tu es marié à Dieu. Donc si tu y vas, si tu veux t'asseoir là et que tu veux faire une silhouette en chair et en os, alors tu dois faire la même image que Dieu, bon sang, faire avec sa chair, je veux dire avec l'esprit comme avec lui, il est marié à son propre esprit. Regardez cette montre, ce qui se passe où nous pouvons obtenir ce qui est en cours, et nous laissons Paul décomposer une partie de cela pour nous dans eux. Premier chapitre de Corinthiens 7. Et pour vous dire ceci, parce qu'il est à sa parole, il veut dire que sa parole est une. L'homme et la femme sont un, et une fois qu'ils vont ensemble, ils ne font qu'un. Donc nous allons voir ceci dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 9. Et vous voyez cela ici, il est dit, mais s'ils ne peuvent pas contenir, si vous ne pouvez pas vous contenir vous-même. Nous allons voir dans une seconde, si vous ne pouvez pas contenir, laissez-les se marier, car il vaut mieux se marier que brûler. Si vous êtes là-bas, vous vous occupez des affaires de Dieu pour le monde, mais vous ne pouvez pas vous contenir. Et ne pas faire le mot, faire le travail. Maintenant que vous avez un problème, maintenant que vous êtes assis là, vous faites quelque chose. C'est différent. En fait, allons-y un peu en bas, allons en bas un peu et obtenons une meilleure compréhension de cela. Jusqu'à ce que nous puissions revenir à l'endroit où nous pouvons comprendre comment tout cela fonctionne, parce que vous êtes là pour vous occuper des affaires pour Dieu. Si vous avez épousé le gars que vous allez découvrir que vous allez être obéissant à Dieu, ne pas être assis là à penser que vous êtes dans un partenariat et que vous allez faire autre chose de différent, et vous voyez tout cela ici ensemble, c'est vous le dire juste ici, cela dit, mais je voudrais que vous soyez sans. Attention, celui qui n'est pas marié s'occupe des choses qui appartiennent au Créateur, il peut plaire au Créateur, vous voyez comment. Il dit ça. Donc si tu t'entends que tu ne te maries pas, tu connais l'intérêt pour ça, ok, alors tu es là pour prendre soin de son personnel. N'essayez pas de vous asseoir là et de l'enrober de sucre sur autre chose en pensant que vous pouvez aller là-bas et vous-même avec d'autres personnes, parce que Dieu n'est pas un. Alors n'allez pas là-bas en disant, oh je vais m'occuper de toutes ces femmes, 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 je vais m'occuper d'eux. Parce que ce n'est pas Dieu, c'est aussi le problème avec les hommes et les femmes, ils sont assis là et ils s'accumulent en disant qu'ils font le travail de Dieu, c'est un mensonge. Parce qu'ils n'exposent pas Dieu, parce que ça te le dit juste ici, mais je t'ai sans attention, celui qui est célibataire porte pour les choses qui appartenir au Créateur, comment il peut plaire au Créateur, c'est tout. Vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde, vous n'êtes pas là pour plaire à quelqu'un d'autre, mais il en dit plus ici, regardons un peu plus ici, il dit ceci, il est dit, mais celui qui est marié. Vous montrez à nouveau l'union si vous êtes marié, ce qui signifie que vous voulez montrer Dieu en Christ. Signifiant Dieu dans sa parole, vous voulez montrer qu'il dit que vous vous souciez des choses qui sont du monde. Les besoins dont vous parlez, vous voulez vous asseoir et faire en sorte que ces besoins soient enseignés dans tout cela, c'est pour cela que vous êtes ici. Donc si vous voulez avoir de l'intimité, c'est là, c'est juste là, et vous voyez ça là, mais lui qui... Le mariage a pris soin des choses du monde. Comment il peut plaire à sa femme pour qu'il puisse maintenant s'asseoir, ils peuvent faire ces choses. Mais il est toujours, mais allons-y un peu plus, passons au verset 34.
Il dit qu'il y a une différence entre une femme et une vierge. Qu'est-ce qu'une vierge? Une pure séparée. Gardez cela à l'esprit que nous ne faisons pas tout cela ici, donc c'est la différence entre cela, dit la femme célibataire. Parce que nous avons une femme et qu'ils ont dit que c'est différent entre une femme et une vierge, c'est une différence. Et il va vous expliquer ça parce que certaines personnes ne sont que ça en nom, mais il dit que quand tu vas voir ça bien, il va te le montrer. Il dit que la femme célibataire s'occupait des choses du Créateur qu'elle soit entièrement séparée à la fois dans le corps et dans l'esprit, de sorte que tout ce qu'elle a qu'elle est célibataire. Elle appartient à Dieu, elle ne peut rien faire avec qui que ce soit. Elle est pure séparée de Dieu, elle n'est pas mariée, donc elle est vierge, elle ne connaît pas d'homme et elle est tout ce qu'elle est uniquement dédiée à la période de Dieu, mais cela continue plus, cela vous dit que les choses sont prudentes. Décrète qu'elle peut être sainte à la fois en corps et en esprit, mais elle qui est mariée, donc si vous êtes mariée, elle a porté quatre choses du monde dont ses besoins est que son mari a et le mari qu'elle peut avoir avec son mari, elle s'occupe de ces choses et elle s'en occupe. Et puis tu vas aussi voir qu'il est le chef de la maison, tu vas voir ça dans une seconde et ça dit qu'elle se soucie des choses du monde. Comment elle peut plaire à son mari, tu vois ça, c'est clair, juste là. Maintenant, quand vous retournez ici, quand vous revenez ici, c'est pourquoi cela devient plus important, parce que nous sommes simplement assis là à vous parler de choses de Dieu, mais nous voulons comprendre cela tous ensemble, donc cela est dit dans le verset 32. Il dit ceci, il est dit d'accord, donc ça s'est éteint, est-ce que ça m'a permis de revenir ici 32 à nouveau? Essayons à nouveau, il dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous voyez qu'il est un point d'interrogation, donc il est posé la question, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est un point d'interrogation qu'il ne fait pas la déclaration, mais il pose la question, c'est pourquoi le point d'interrogation est là, il dit Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la chair morte sans savoir qu'il n'est pas le Dieu de cela. Mais il dit, mais le Dieu des vivants, il se rend clair à 100% sûr qu'il est le Dieu du sens. Ceci est sa plénitude, alors il a dit ce qui a été dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, mais vous avez des gens qui enseignent dans la résurrection, ou si vous êtes ressuscité, vous allez régner avec Christ pendant 1000 ans, c'est de la folie parce que vous êtes actuellement dans le règne de 1000 ans pour avertir les gens de son retour. Parce que les messagers sont là pour vous dire de vous aider à bien faire les choses, un homme nommé veut mourir. Après cela, le jugement. Donc quand tu reviendras, soit tu reviendras dans les temps de feu, soit tu seras dans la paix éternelle avec Christ, c'est l'un des deux. Donc maintenant nous voyons plus donc ce qui se passe ici, regardez ce qui se passe ici. Et tout cela, nous devons comprendre, ou nous pouvons mieux comprendre le mariage, il est dit et quand la foule a entendu qu'ils étaient étonnés de sa doctrine, il était étonné de cette doctrine. Cela m'étonne parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le Christ, ils ne comprennent pas la doctrine du Christ.
Ils aiment vous éloigner des Écritures, de leurs Écritures, des Écritures, et de ne pas les comprendre, mais ils les utilisent dans les Écritures pour s'assurer qu'ils peuvent justifier ce qu'ils font. Nous ne pouvons pas l'exécuter pour nous assurer de ce qu'ils font, nous devons exécuter les Écritures pour nous assurer que nous savons ce que nous faisons. C'est tout cela maintenant, les gens qui étaient étonnés, y compris les pharisiens, et l'ont découvert par ce qu'ils ont découvert. Même chose, regardez ce qui se passe ici parce qu'ils en étaient étonnés, et maintenant souvenez-vous que ces graines flasques étaient là, dit-il, mais quand les pharisiens avaient entendu qu'il avait mis les sciences au sinus la fait taire, ils ne pouvaient pas traiter avec son médecin. La doctrine n'est pas là pour faire le. La doctrine nous correspond à notre style de vie. La doctrine est là pour que nous puissions correspondre à la doctrine et à la doctrine du Christ. Si c'est pour cela qu'elle est là pour cela, pas ici pour un autre moyen, donc ce qui se passe ici, nous devons comprendre comment cela fonctionne réellement, comment tout fonctionne, et c'est là qu'il est si important de s'assurer que nous comprenons clairement. Comment la sagesse que l'esprit de l'homme comprend et vous montre la similitude de ce que nous devons faire de la femme à propos de l'esprit et de la fabrication. Nous sommes sûrs que notre élection est sûre et que nous nous assurons d'essayer le bon esprit et de choisir le bon esprit en même temps que nous aller de l'avant. Comprenons mieux à mesure que nous avançons dans ce dossier, nous allons d'abord passer à Timothée et nous allons d'abord examiner quelque chose. Timothée et nous allons regarder le chapitre 2 et nous allons le reprendre au verset 12. Encore une fois, obtenez-le pour comprendre, mais est-ce que beaucoup de gens l'enseignent avec compréhension? Ils vous enseignent l'ignorance, mais il est dit, « Mais je ne souffre pas d'une femme pour enseigner. » Quelque chose qui n'est pas une femme à enseigner. Rappelez-vous que c'était le chef de la femme, l'homme. Donc nous ne voulons pas nous asseoir là et porter un jugement en fonction de notre esprit. Nous allons les essayer en fait, allons-y et regardons les choses un peu mieux pour que la même chose se produise ici. Et nous allons en fait d'abord John Well, 1 John 4 et 1. Comme il le dit ici, il dit qu'il dit que le sang ne croit pas tous. Esprit, mais essayez les esprits pour qu'ils disent donc la même chose et ce qu'il dit ici parce qu'il vous dit la première chose que je ne souffre pas d'une femme pour enseigner. Pas une femme pour enseigner l'esprit, pas l'esprit, maintenant les gens voient la physicalité quand ils regardent. Les femmes oui, il dit la même chose, mais quand vous voulez regarder cela sous ce qu'il vous dit, il ne veut pas que votre esprit prenne une certaine autorité. C'est pourquoi il dit qu'il n'affirme pas d'autorité sur l'homme parce que l'homme est à la tête de la femme, c'est clair. En fait, passons par là, regardons cela en Éphésiens 1, Paul tire un peu plus en bas ici. Dans le chapitre 5 d'Éphésiens, le reprenant au verset 23. Et vous voyez où il dit cela maintenant, vous voyez comment cela parle plus alors maintenant il fait des distinctions. Ce qui signifie mari-femme maintenant, quand il fait cela, il s'assure que vous savez clairement pour le mari. C'est-à-dire l'homme, le mari, c'est le mari, c'est pourquoi vous voyez même dans votre vie votre licence de mariage, vous allez dire, mettez votre nom sous le mari. Le mâle doit mettre le nom sous le mari, la femme met son nom sous la femme, c'est pourquoi c'est fait de la même manière que vous voyez ici, cela dit pour le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église de ce congrégation sur laquelle nous allons enseigner plus tard maintenant, nous voyons cela et il dit qu'il est le sauveur du corps. Mais il peut y avoir une certaine autorité là-dessus, c'est pourquoi c'est si important parce que si le mari, le mâle, est le chef de la femme et de la femme aussi, comme le Christ est le chef de l'Église du corps, tant d'entre nous, beaucoup d'entre nous
resteront dans le péché sur la base de ce que je viens de vous montrer ici parce que beaucoup de gens ne vont même pas être en corrélation avec ce qu'on m'a enseigné jusqu'à présent, beaucoup de gens ne seront pas en mesure de... Je vous promets qu'ils ne seront pas en mesure de corréler cela parce qu'ils n'ont pas d'oreille pour entendre les Écritures seront toujours accomplies parce qu'il vous dit cela et laissez-moi vous montrer ceci. Puis je vais faire un commentaire parce que je veux dire quelque chose et je veux dire quelque chose donc nous allons regarder cela dans Isaïe chapitre 55 et verset 11. Et il dit ceci. Il fait cette déclaration dans le verset 11 d'Ésaïe, chapitre 55, qui dit, « Ainsi sera ma parole qui ira de l'avant. De ma bouche, il ne me reviendra pas vide, mais accomplira ce qui me plaît, y compris cela, prospérera dans le chose ou l'élever, il est juste à l'avant. Il a raison, très franche, très directe, mais le problème, c'est là que les gens croient qu'ils, dans un mariage, mais ils sont vraiment dans un partenariat, cela revient à dire que nous ne pouvons pas le contourner. Et je vais te montrer pourquoi il ne veut pas que cette femme aille là où tu l'utilises mal. Je vais te montrer pourquoi on va voir ça. Dans le chapitre 3 de la Genèse et vous allez voir ce qui se passe dans le chapitre 3 de la Genèse, en le reprenant au verset 6, cela dit ceci et vous voyez ce qui s'est passé. Il est dit et quand la femme a vu que l'arbre, ceci, cet arbre, cet ancien était bon pour la nourriture, c'est bon pour la connaissance et c'était agréable dans les yeux, c'était agréable à sa compréhension et c'est dans l'arbre d'être désiré de faire un sage, elle en a pris d'autres fruits et l'a appris et l'a donné aussi à son mari maintenant elle l'a fait et elle l'a donné à son mari donc c'est ainsi que nous savons distinctement que la femme, l'homme que la femme l'a donné au mâle. C'est la seule façon dont nous savons qu'il leur manquait sang. Mais nous savons qu'elle l'a prise et l'a donnée au mâle, c'est comme ça que nous le savons ici. Toute autre façon les gens s'assoient là et vous disent quelque chose de fou, mais c'est comme ça que vous savez distinctement juste là parce qu'elle l'a pris et lui a donné Marie et il l'a fait c'est comme ça que nous le savons, mais maintenant le point est. Étaient tous les deux dans le péché 100 000 ans parce que nous allons voir ce qui s'est passé ici et je veux m'assurer que nous comprendre ce qui se passe tout le temps et ne pas jouer à des jeux et jouer à ces petits jeux pop shop avec des gens parce que vous avez des gens qui vont jouer ces jeux pop shop avec vous et nous le verrons ici dans 14 pourrait l'utiliser là-bas, mais je vais l'utiliser ici, nous allons regarder le deuxième chapitre 2 de Timothée. Mais nous allons reprenez le au verset 14. Je vais mettre cela en évidence et m'assurer qu'il est dit qu'un Adam n'a pas été trompé. Donc maintenant nous savons qu'Adam, la femme chez le mâle, ils n'ont pas été trompés. Allez directement à la Genèse, chapitre 5. Le verset 2, il vous dit que les hommes et les femmes les ont créés et les ont bénis et ont appelé leur nom Adam. Il n'a pas été trompé. Et puisque nous savons que cela vous le dit juste là, donc il n'y avait pas à voir mais à la femme, donc nous connaissons leur esprit et nous savons que c'est ce qui, dans l'esprit de Dieu, n'était pas l'esprit que Dieu a apporté. Pour eux, ils ont quand même choisi de garder les leurs, donc c'est dire que la femme trompeuse était en transgression. La femme a été trompée. En fait, eux, juste pour être sûr de vous le montrer encore plus et de vous montrer que vous savez pour tous ceux qui ne le savaient tout simplement pas. Parce que comme je l'ai dit, il vous le dit ici même, un ami, homme et femme, les a créés et les a bénis et a appelé leur nom, Adam. Et la femme n'a pas été trompée, je veux dire que la femme a été trompée, mais Adam ne l'a pas été. Adam n'a pas été trompé. Il savait parfaitement ne pas le faire, il connaissait parfaitement les deux, le mâle et la femelle savait clairement qu'il ne fallait pas le faire et il l'a fait. Et revient à cela encore une fois, eux,
juste pour nous assurer que nous avons une bonne compréhension à mesure que nous avançons et nous allons examiner cela un peu plus près des 1 Corinthiens et nous trouverons cela, nous trouverons cet aide ici dans chapitre 11 le ramassé au verset 3. Le ramassé au verset 3 je sais que la tête de chaque homme physique homme donc c'est un homme ou une femme il a dit qu'il a fait un homme et il a fait un homme et une femme vous vous souvenez qu'il a fait un homme et un femme et il a dit qu'ils avaient chaque homme et Christ et ils avaient une femme, vous voyez juste là. La femme, donc la tête de cet esprit est l'homme, la tête du Christ est Dieu. Boum. Nous ne pouvons pas contourner cela, nous ne pouvons pas contourner cela, donc nous avons clairement un choix sur ce que nous faisons. Mais nous avons tout gâché parce que nous avons utilisé nos propres désirs personnels. En sentant que nous avons avec Dieu ceci, nous sommes dans ce partenariat, pas dans un mariage, nous sommes dans un partenariat. Et c'est pourquoi les mariages sont toujours compris, disent-ils, dans un mariage, mais dans un partenariat, parce que tout cela est irrecevable. En fait, allons-y un peu plus et voyons ce qui se passe. Dans nous allons regarder Ecclésiasticus qui est si roque que nous allons regarder ceci dans le chapitre 11. Reprenons le verset 7. Et vous verrez ce qui se passe et voici pourquoi nous avons un autre problème ici ensemble, il est question de blâme, pas avant d'avoir examiné la vérité, comprendre d'abord, puis réprimander. Waouh, c'est une déclaration sérieuse la raison pour laquelle cette déclaration est si sérieuse parce que plusieurs fois, peu importe ce que vous avez des gens qui vont jouer caste-blâme Casper quoi qu'il arrive, ils n'ont jamais rien fait, ils peuvent commencer quelque chose et puis ils... Je pense toujours que c'est vous qui avez besoin de le réparer. Peu importe ce qui se passe dans cette situation, vous êtes assis là et ils peuvent commencer quelque chose, puis ils vont vous chercher pour vous assurer que vous le corrigez, même si c'est toi qui as commencé. Et vous avez dit pourquoi devrais-je réparer ça, c'est vous qui l'avez fait et c'est la même chose qui s'est passée où? C'est fait avec tant d'audace que nous ne voyons pas de problème ici, c'est tellement audacieux, même aujourd'hui. Nous allons même blâmer Dieu et je vais vous le montrer donc quand nous regardons la Genèse chapitre 3 et le verset 12 il dit ceci et maintenant rappelez-vous qu'il a apporté la femme à l'homme qu'il a offert, mais l'homme avait un choix qu'il peut faire, il fait votre choix, assurez-vous que cela dit et l'homme a dit quand il était assis là en disant tu étais nu qui t'a dit il a dit qui t'a dit que c'était nu il te l'a dit juste là il a dit qui t'a dit que c'était nu il dit ça juste ici qui vous a dit cela et l'homme a dit les deux. La femme qui donne maintenant pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Je ne sais pas quelle partie nous manquons ici, je ne sais pas quelle partie nous avons tout perdu. Où nous serions assis là avant que Dieu ne perde notre dignité comme cela, perdons notre respectabilité pour nous-mêmes et cela remonte et ne change jamais. Parce qu'il a fait quelque chose qui était très clair pour nous et je vais vous le montrer parce que maintenant je vais récapituler quelque chose que nous sommes. Je vais revenir à Jérémia et je t'ai montré très tôt que nous allons passer au chapitre 31 de Jérémie. Et nous allons regarder ceci et puis nous allons aborder certaines choses, nous allons regarder le verset 35, et découvrir quelque chose de plus, sur ce qui s'est passé ici. Verset 35. Et cela nous dit ceci. Il est dit ainsi dit le Créateur qui a donné le soleil pour la lumière le jour.
y compris les ordonnances de la lune, y compris les étoiles pour éclairer la nuit. Ces ordonnances sont données par Dieu, comment elles pourraient courir, comment elles arrivent avec le temps, elles arrivent avec le temps de descendre, comment font-elles tout, a-t-il. Il contrôle cela et il lui en a donné les ordonnances, il a dit ce qui est invité à voir quand les vagues de la guerre. Le créateur de l'autre est sa façon, il vous le dit tout de suite, mais il dit moyer, il dit. À condition que ces ordonnances s'écartent de moi, à condition que ces ordonnances ne soient pas moi, dit le Créateur, alors la semence d'Israël cessera d'être une nation devant moi. La raison pour laquelle c'est si important parce que, comme je l'ai dit, la plupart des gens pensent qu'ils font partie d'un partenariat alors qu'ils auraient dû être mariés. Donc dans le chapitre 9 de Romains et en reprenant cela au verset 6, c'est pourquoi cela nous le montre très clairement pour une meilleure compréhension parce qu'ils aiment changer le ordonnance. Il n'est pas dit que la parole de Dieu ne prenait aucun effet pour eux, pas pour tous Israël parce que tout le monde n'est pas Israël. Je m'en fous, vous avez des gens en Israël qui pensent qu'ils sont israéliens et qu'ils ne le sont pas. Israël qui sont d'Israël, non, vous n'êtes toujours pas Israël. Ne fais toujours pas de toi Israël juste parce que tu oses, je veux dire non, ne fais pas de toi Israël en fait. Quand nous regardons cela et que nous entrons dans le verset 37, cela devient un peu plus important. Un peu plus et nous reprendrons cela au verset 37, il est dit ainsi dit le Créateur si le ciel peut être mesuré et les fondements de la terre soit fouillée en dessous, je rejetterai également la graine d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait, a déclaré le Créateur, alors il dit qu'il le fera, il y va, fait ça. Mais le fait que c'est un problème personnel que nous avons en fait dans le chapitre 24 d'Isaïe. Le rend un peu plus utile. Et il nous dit ceci, il dit que la terre est également souillée sous son inhibition parce qu'ils ont transgressé les lois, changé les ordonnances, violé l'alliance éternelle, c'est ce que nous avons fait, nous avons changé tout ce que nous avons changé. Les choses que nous avons changées parce que nous avons le sentiment que nous sommes dans un partenariat. Non, je ne vais pas faire ça, non, tu fais ça, non, 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 nous allons obtenir ça, nous allons nous occuper de certaines affaires, nous allons nous occuper de ça, nous allons faire ce partenariat. Comme si vous étiez dans un partenariat qui est fou, donc la même chose est que les gens sont assis là et que les gens disent oui avant. Vous vous mariez, assurez-vous de vous occuper de vos affaires, d'accord, si une église vous enseigne quelque chose de cette façon, ils vous ont appris à 100% faux, je me fiche de la façon dont vous le regardez, retournez le scénariser tout ce qu'ils vous ont dit. Mal, ils vous ont dit oh oui allez vous vous occuper des affaires en premier, vraiment c'est intéressant, c'est très intéressant comment vous allez. Occupez-vous d'abord de vos affaires afin d'envisager un partenariat. Un partenariat parce qu'un mariage est conforme à Dieu, donc votre contrat est là et ce que continue à ne pas s'occuper des affaires selon ce que vous dites. Et la raison pour laquelle c'est si intéressant, c'est que les gens ont dit, oh non, ce n'est pas ça, donc si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous n'avez pas à le faire parce que vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec Dieu parce que cela vous dit juste là, cela vous dit exactement ce qu'est un mariage, mais c'est ce que je dis, beaucoup de gens ne le verront pas, beaucoup de monde. Je vais le manquer en fonction de leur propre volonté et de ce qu'ils croient et pensent pouvoir mélanger et correspondre. La parole de Dieu dans Daniel chapitre 7 la reprenant au verset 25. Et Daniel dit qu'il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut. Y compris penser à changer les temps et les lois, et ils seront donnés à sa main jusqu'au moment. Heure de fin dans la division des temps.
cela va se produire, cela se produit aujourd'hui, parce que c'est la même chose que nous avons fait, nous avons rompu l'alliance avec Dieu. Et maintenant, nous venons de tout transformer en partenariat et nous remplissons ce but à 100% ici et ensuite nous illustrons les mêmes choses, en chair et en os. Il est dit qu'en ce jour, cette femme devrait s'emparer d'un homme, disant que nous mangerons notre propre pain et que notre propre appel nous laissera appeler par ton nom pour enlever chaque approche, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas un mariage, c'est un partenariat et cela devient de plus en plus évident à mesure que nous examinons la question un peu plus en profondeur. Nous allons aller un peu plus loin et juste mieux comprendre ce qui se passe parce que ce que je veux vous montrer est l'exemple avec Jacob, je veux vous montrer un exemple avec Jacob parce que ce que nous faisons, nous voulons accrochez-vous à la chair et nous avons même des femmes et ce qu'elles veulent faire elles viennent dans un mariage et la plupart d'entre elles obtiennent. Elles le font, eh bien, pourquoi ne le font-elles pas? Ce que je veux toujours garder mon nom de jeune fille, ma césure mon nom je vais le couper. Parce que je suis mon père, j'étais la seule fille et donc je vais garder son nom. Oh j'aime bien ça maintenant je vais garder ce nom puis ça y revient encore pourquoi tu t'es marié parce que la même chose c'est que nous voulons. Regarde ça et tu peux voir toutes tes technicités juridiques, tout est dans les écritures, tout ce que je me fiche de ce que tu fais, donc c'est pourquoi les gens sont assis là, eh bien non, cela le dit non, cela ne changera pas parce que lorsque les gens sont assis là et qu'ils font cela, sont-ils dans le péché? Nom de césure c'est la césure du nom du péché. Simple c'est une question simple et la césure des noms un péché. Allons au travail, d'accord, allons-y, faisons un peu de travail très rapidement et je veux vous montrer quelque chose d'intéressant parce que vous savez la plupart du temps quand je dis aux gens de demander un question je vous mène quelque part parce que je veux que vous voyez quelque chose après que vous l'ayez dit et que vous y répondiez d'abord, c'est pourquoi je le fais normalement, je veux que vous y répondiez d'abord avant de montrer vous ce qui se passe réellement dans le chapitre 32 de la Genèse et nous allons regarder cela au verset 28. Nous allons voir quelque chose qui est arrivé avec Dieu dans Jacob et il a dit à Jacob cela, il a dit et il a dit que ton nom ne sera plus appelé Jacob, selon les questions, c'est de la chair parce que nous n'allons pas rester assis là et on va t'appeler Jacob. Il dit mais Israël il n'a pas dit ton nom va être Jacob Israël il ne l'a pas coupé il dit pour comparer un prince à ton. Pouvoir avec Dieu et avec les hommes donc il le dit sous les yeux de Dieu, tu seras considéré comme Israël et sous celui des hommes. Dieu, tu seras considéré comme Israël parce que maintenant tu es le pouvoir avec moi et avec les hommes, car tu as prévalu clairement. Et il vous raconte quelque chose ensemble parce que la plupart d'entre nous ont encore raté ça. Appelez, appelez. Tu vois, c'est ce que je dis, nous ne pouvons pas laisser des choses nous échapper, nous devons tout garder ensemble, mais certains d'entre nous ont laissé échapper cela et il vous dit ce que c'est. Appelez et appelez spirituellement et nommez ensemble, donc vous dites. C'est pourquoi nous ne laissons pas ces façons nous dépasser, mais nous le faisons et il nous dit qu'il dit ta façon. Ton chemin sera appelé ensemble. Ne mets ensemble la façon de ne plus Jacob tu ne fais plus comme ça, plus pâle. Façon un homme non mais Israël maintenant c'est clair. Vous voyez, c'est pourquoi il dit ces choses-ci ensemble. Lorsque les gens sont assis là, ils veulent faire ces choses et faire ces choses, il est en fait dans un partenariat et non dans un mariage parce que vous avez beaucoup de personnes dans un mariage et qu'elles aiment faire des césures. Leurs noms sont-ils dans le péché? Oui, ils essaient de servir deux maîtres, ils essaient de servir deux maîtres, ils veulent rester associés au monde et non associés aux voies de Dieu, alors ils essaient de s'associer.
Au monde en fait, nous allons revoir cela ici et les gens s'assoient là et disent le contraire. Chose est dans la même chose, vous voyez ceci dans le premier chapitre 6 des Corinthiens, en le reprenant au verset 15, il est dit ceci dans 15. Il vous dit qu'il dit sachez que vous ne savez pas que vos corps sont les membres du Christ, il pose cette question. Dois-je alors prendre les membres du Christ et en faire des membres avec une prostituée? Avec une autre chair, Dieu ne plaise pas. Si vous prenez si vous vous mariez, vous vous occupez de ce dont les besoins de la personne ont besoin, mais vous ne vous occupez pas de là. Les affaires et je continue à m'accrocher à ce que c'est charnu, de quelle chair est-ce que ça parle, eh bien, je vais garder mon nom en poussière. Je vais garder mon nom si et ça, non alors tu viens, tu deviens membre d'une prostituée. D'accord, comment vous le regardez, mais il continue plus, il dit quel point d'interrogation quoi. Ne sachez pas que vous qui êtes unis à un seul corps sans cœur. Pour deux dit qu'il ne fera qu'une seule chair. Il devrait être une seule chair. C'est pourquoi cela se poursuit davantage et assurez-vous que ces choses sont faites. C'est pourquoi il est si important de s'assurer que ces choses sont faites. Et à mesure que vous regardez cela et que nous voyons, alors que nous nous joignons à ces choses comme nous nous joignons à ces choses, nous voulons nous assurer de comprendre ce qui se passe ici, nous voulons clairement comprendre ce qui se passe ici, en fait, nous regardons cela au verset 17. Au verset 17, cela est dit, mais celui qui est uni au Créateur est un seul esprit. Alors pourquoi essayons-nous de joindre deux types de revêtements différents? Deux types de couvertures, ce que nous faisons parce que nous avons le sentiment que nous sommes dans un partenariat et non dans le mariage, vous êtes dans un partenariat et quand vous faites cela c'est mal, donc si vous êtes joint dans l'esprit créatif alors et puis il est le mal pas la femme, puis la tête des deux, c'est le Christ qui se présente ne sera qu'un pour le et il va présenter juste l'Église le corps à lui de lui-même il ne va rien présenter avec un trait d'union c'est telle et telle chose en moi. Ce n'est pas le cas. Il ne présentera pas de trait d'union, mais nous sommes censés illustrer ce qui se passe en chair et en os. Comme dans l'esprit. Donc il nous dit ceci et Blanc-Blanc le rend si parfaitement clair ici au verset 18, il dit fuir la fornication pour tout ce qu'il dit. Chaque péché que fait l'homme est son corps, donc lorsque nous faisons ces choses, nous avons en quelque sorte rattrapé ces choses que nous ne faisons pas sans le corps de Christ parce qu'il n'est pas du tout lié à la fornication pour que les gens puissent s'asseoir là et dire « Oh non je fais ça, je suis en faisant cela, je le fais », alors nous pouvons nous asseoir là et voir ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe là-bas, c'est pourquoi il est si important de s'assurer que c'est toujours le cas. Ce qui se passe. C'est pourquoi c'est si important, pourquoi c'est toujours très important. Mais le fait que lorsque vous regardez cela et que vous voyez dire fornication de flotte, chaque péché que l'homme fait est sans corps mais celui qui a commis la fornication péché contre son propre corps donc si vous faites ces choses, vous commettez un péché contre votre propre corps. Pas avec Christ, pas avec Christ, en fait, il continue plus dans celui-ci, ce verset ici.
Il dit cela ici, il dit ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui est en vous, ce que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas les vôtres, donc vous. Plus lorsque vous acceptez cet accord et que vous voulez vous asseoir là et dire que vous voulez faire partie du Christ. Tu prends sa volonté, il ne prend pas ta volonté, il ne fait pas d'accord avec toi, il ne fait pas ce truc, il n'est pas assis là à dire d'accord on va, occupe-toi de tes affaires, d'accord, tu fais ceci et je le fais non, il ne dit pas que tu obéis à ma voix, garde mon alliance, tu seras un trésor particulier pour moi au-dessus de tous les gens car sur terre c'est à moi, tu ne le vois pas à aucun moment faire ses affaires, ses accords secondaires avec toi et c'est dire ceci est fait. Parfaitement clair comme quand nous arrivons aux Hébreux et pourquoi nous ne devrions pas avoir de problème. Hébreux, chapitre 10, verset 26. Le verset 26, il est dit ceci. Il dit que si nous péquons volontairement, donc si nous péquons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc en parcourant cette présentation et en regardant cela, et nous recevons la vérité, le jeu se débarrasse du péché. Donc ils ne sont plus deux mais ils ne font qu'une seule chair et le fait est que cela peut être corrigé. C'est le point, est-ce que cela peut être corrigé? Ce sont d'autres outils qui sont nécessaires, ce sont d'autres outils qui sont nécessaires pour... Est-ce que cela peut être corrigé et nous allons aborder cela et ensuite nous allons terminer cette leçon ici. Mais est-ce que cela peut être corrigé et votre réponse est oui, la réponse est sans oui, cela peut être corrigé dans les Éphésiens, chapitre 5 reprenant cela au verset 22. Et il vous dit qu'il vous dit tout de suite à l'avant, juste à la porte, exactement ce qui se passe. C'est dans les femmes que vous vous soumettez à vos propres maris. Comparaison avec le Créateur. Ce n'est pas là que les gens s'assoient là et disent, non, eh bien, je ne vais pas le faire, d'accord, donc vous êtes dans un partenariat, alors ne vous asseyez pas là, alors ne pensez pas que vous allez d'aller voir Dieu et de dire que j'étais marié et qu'il va dire la même chose que dans un partenariat, ne dites pas que vous étiez marié parce que vous êtes dans un partenariat, vous avez le sentiment d'avoir des droits égaux sur certaines choses et vous avez ces mêmes choses que vous pouvez faire, vous êtes en couple parce que les femmes doivent se soumettre au Seigneur comme la même chose. Donc le Créateur a créé les choses d'une certaine manière, puis ce que nous avons fait, nous avons tout gâché. Nous l'avons créé, nous avons créé ce vomi, il nous dit que nous devons le corriger pour rentrer dans la maison, nous devons corriger cela. En fait, regardons ça d'un peu plus près, regardons ça d'un peu plus près. Il est dit que le mari est le chef de la femme, même en tant que Christ, car ils ont eu un enfant, l'Église, qui est le corps, il est le sauveur du corps. Maintenant, nous le savons, mais si nous voulons illustrer cela, nous devons travailler dans le même ordre que dans la chair. Le même ordre identique parce qu'il a dit qu'une ordonnance était en place. Et nous pouvons, nous ne sommes pas libres de le changer, mais cela continue, dit-il, pour cette raison. Pour cette raison, comme l'Église est soumise au Christ, le corps entier, peu importe qui nous sommes, si nous disons que nous sommes liés au Christ, tout le corps est soumis au Christ, donc il en va de même pour les sages.
Être à leur propre mari dans tout. Everything. Eh bien non, nous ne savons pas à ce sujet, nous ne le savons pas, et ils cherchent Christ et vous dites bien non, ils ne cherchent pas Christ, mais ils vous disent cette chose si certaines personnes pour qu'elles n'aient pas de problème ici et ils vous le disent encore plus ici. Et il dit que les maris aiment vos femmes, comparé au Christ aussi aimé, l'Église s'est donnée pour cela. Mais les femmes s'assoient là et disent, « Oh non, eh bien, il doit le faire, non je ne dis pas que ce que vous faites, vous commencez à mettre beaucoup de choses sur ce qu'il a dit. Je vois que je te donne des vêtements et des vêtements complets. » Intéressant, c'est que je vais vous fournir ceci en protection, c'est ce que je vais vous fournir non. Besoin de faire ceci et ceci, qu'avez-vous fait pour moi, comme moi, ceci et ceci, qu'est-ce que vous faites pour moi ces derniers temps, ceci et cela, non, il a dit que je vais vous fournir de la nourriture, vêtements et protection. Et les gens pensent qu'ils font partie d'un partenariat. Alors regardons cela un peu plus en profondeur. Il est dit qu'il pourrait le sanctifier et le nettoyer avec le lavage de eau. Oh, par le mot, vous allez avoir la nausée et comprendre un autre mot. Voulez-vous savoir comment entrer dans le royaume de Dieu? Donc ces femmes qui cherchent et veulent entrer dans le royaume qui vient de toutes ces manières différentes et comme pour les hommes, tu as un problème. Et c'est pourquoi nous allons avoir un problème, c'est pourquoi beaucoup d'entre nous auront toujours un problème. Alors regardons cela pendant que nous allons ici, donc je veux vous montrer quelque chose et nous allons voir cela. Nous allons trouver ceci et regarder dans le chapitre 17 de Luc et le reprenant au verset 34, 17 et au verset 34. Je te dis. Cette nuit-là, il devrait y avoir deux hommes dans le même lit, la plupart des gens ne savent même pas quoi dire. Il était courant que cela ne se produise pas sexuellement mais courant, mais ces deux hommes sont ces deux hommes. Enseigner différents types de choses, un homme enseignant un point de doctrine, un autre enseignant un autre point de doctrine et un doit être pris, un autre doit être laissé, un va être pris, celui qui est pris vous ne voulez pas aller où il va. Parce qu'ils disent dans le lit, donc ce sera deux hommes dans un lit, deux hommes au repos, l'un reposant dans les soucis de chair, un. Se reposer dans les voies de Dieu, c'est comme ça que c'est mauvais. Un être pris veut être laissé et au fur et à mesure que vous passez par ici, nous voyons ceci. Il dit qu'il pourrait se le présenter à lui-même un corps glorieux, un corps glorieux. Ne pas avoir de taches ou de rides ou quoi que ce soit d'autre, mais que il devrait être sacré, y compris sans condition, un défaut qui est tout ce que signifie un défaut. Sans condition, oh, qu'en est-il de cela? Que nous avons obtenu un partenariat? Ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un partenariat avec Dieu. Alors regardons cela dans le premier Peter et découvrons un peu plus d'aide. Juste pour voir ce qui se passerait ici d'abord Peter chapitre 3 et le reprendre au verset 7 et pourquoi Stephen dit ceci et il dit. De même,
Votre mari habite avec eux selon les connaissances. Selon la connaissance, habite avec eux selon la connaissance, donne un honneur jusqu'à ce que la femme compara. Le navire faible donc par rapport au vaisseau le plus faible, mais nous, mais avec cela, selon les connaissances, c'est selon les connaissances, comparé. C'était un vaisseau plus faible parce que beaucoup d'entre eux sont assis là et ils gonflent, ils ont beaucoup plus de connaissances qu'eux. Soyez dit, mais vous en avez qui utilisent des connaissances basées sur des sentiments. Mais certaines femmes ont beaucoup de connaissances. Donc il ne dit pas selon une connaissance plus faible, mais il dit selon la connaissance et regardez les hommes ou leurs maris comme faisant leur travail pour faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils disent que vous, mari, habitez avec eux. Selon la connaissance, honorant jusqu'à ce que la femme compare aux vaisseaux les plus faibles, mais en tant qu'héritier, vous voyez comment il a dit, mais étant héritier ensemble de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Donc il est clair et c'est comme ça que nous pouvons nous asseoir là et vous ne pouvez pas être soumis à des conditions là-dessus. Mais beaucoup d'entre nous peuvent encore fixer des conditions, même peu importe ce que nous allons fixer une condition dessus et vous montrer avant, donc ça dit tellement celle. Donc tous les hommes aiment leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et au fur et à mesure qu'il continue, il vous dit ce qui est plus, donc ici il est dit. Mais aucun homme n'a jamais détesté sa propre chair mais la nourrit et la chérit. Même en tant que créateur de l'Église, il est parfaitement en train de tout nettoyer. Il est donc dit ceci juste ici, il est dit que vous êtes membre de ce corps. Pas tout le monde sauf ceux qui obtiennent cette connaissance, les membres de ce corps pour sa chair et ses os, la même chose. Ce qu'Adam a dit, donc la question est de savoir si nous pouvons faire quelque chose avec cela, y a-t-il des choses que nous pouvons faire? Et ce que nous devons faire avec cela ici, donc nous devons faire quelque chose et vous les notez, vous les écrivez. Vers le bas assurez-vous de les avoir avec vous un que nous devons verbaliser, nous devons apprendre à verbaliser. Appréciation autre que les aversions, nous devons savoir comment verbaliser ces. Nous ne faisons que vivre pour voir ce que nous pouvons leur dire ce qu'ils n'aiment pas, nous n'aimons pas cela, nous n'aimons pas cela. C'est du gaspillage chaque fois que vous voulez simplement leur dire ceci et leur dire cela, puis vous pouvez développer un intérêt mutuel à pouvoir parler. Même de son métier et apprendre à les connaître, apprendre à développer la beauté intérieure de cette personne. La force intérieure, indépendamment des circonstances extérieures, la même chose chez les femmes. J'ai arrêté de t'habiller comme si tu agissais comme si tu pêchais plus d'hommes sur des choses que tu peux compter, tu peux voir les lignes de culotte là-bas. Vous pouvez parfois presque compter les poils qu'ils ont devant. Habillez-vous convenablement quand vous sortez et que vous êtes assis là, comme si vous essayiez de trouver quelque chose. Même chose avec les hommes, arrêtez de porter votre pantalon et de vous pendre comme vous là-bas à pêcher quelque chose, donnez-vous une assurance sexuelle. Besoin. Ces choses que vous devez faire, écoutez les préoccupations et avoir un intérêt sérieux, encouragez votre partenaire et positif. Dans les moyens de communication en plus de rester toujours là-haut vous voulez vous plaindre de cette plainte à propos de cette plainte à propos de cette plainte à propos de qui se plaignent de cette plainte à propos de cette bêtise,
C'est pourquoi je suis assis là et je dis ces émissions de télé-réalité, je me suis soulevé. Beaucoup de gens parce qu'ils font de leur propre mariage une émission de télé-réalité apportant constamment toutes sortes de confusions. Quelque chose qui suscite toujours de la colère, cette colère que de faire cela, de faire cela. Soyez honnête sur ce qui se passe, si vous êtes en colère à propos de quelque chose, vous devriez être capable de le dire et de le laisser tomber. Ne pas rester assis là, continuer à harper sur la même chose stupide, continuer à harper et continuer à harper et continuer à le harper. C'est de la folie. C'est une personne d'un autre esprit. Ces choses, vous pouvez vous asseoir là et regarder ce qui se passe et ensuite, si cela doit être discuté, soyez clair et ne pas agir comme si cela n'était pas arrivé. Si l'un est plus fort et même sur le plan financier, l'un est plus fort que l'autre. Puis qu'ils assument la responsabilité de payer les factures, sans dire qu'ils disent que c'est lui qui sera responsable, en s'assurant que c'est là que se trouve. L'argent vient d'eux, mais l'argent devrait être versé, mais une fois que cet argent sera versé à ce pool, il faudrait être responsable de s'assurer que les factures sont payées à temps. Arrêtez de courir partout et les gens tout ce que vous avez. Tout le monde dans vos affaires à chaque fois que votre mari ou votre femme a quelque chose qui ne va pas, la première chose que vous voulez faire, vous voulez dire à tout le monde à propos de la chute de cette personne, mais vous voulez dire que c'est votre mari ou que c'est votre femme. Mais vous voulez d'une manière ou d'une autre vous mettre sur un piédestal. C'est de la folie, ce sont des choses qui sont des partenariats mais pas des mariages. Un mariage est entre l'homme et son. La même femme que Dieu est avec Christ. La seule fois où ils vous disent ce qu'ils veulent que vous sachiez, il vous enverra ce mot autre que celui que vous n'aurez pas, rien. Voir tout le monde veut regarder de l'autre côté assis là à faire d'autres choses, cette folie. Et puis tu dois garder les gens en dehors de tes affaires, tu as des gens qui s'assoient, oh oui c'est ça et la fille toi. Devrais faire cela et est-ce que vous devriez faire cela, ce n'est pas une entreprise ce qui se passe. Donc, souvenez-vous, je veux que vous vous en souveniez et nous allons examiner cette dernière partie pour savoir de quoi il s'agit. Et la même chose que les gens assis là, eh bien, le divorce est toujours ceci et le divorce est toujours comme je vous l'ai dit, l'ignorance que vous ne pouvez pas enseigner, vous ne pouvez pas enseigner l'ignorance. Et comme je vous l'ai dit au début, je vais vous montrer que ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option selon le Christ parce qu'il vous a fait venir d'une manière. Il est entré sans aveugle, sans aucune condition dessus et cela vous le dit dans le chapitre 50 d'Isaïe et nous allons le reprendre au verset 1. Il est dit ainsi dit l'Esprit de Dieu, où est le projet de loi de ma mère concernant le divorce de votre mère, où est-il? Ce n'est pas nulle part parce qu'il ne l'a jamais fait, la chose la plus stupide que vous soyez aujourd'hui. Les gens vous disent toutes ces choses stupides et stupides, oh vous pouvez faire ça s'ils divorcent, oh s'ils plaisantent, s'ils ont triché, ils ont fait ça, ils te le demandent directement. Il le dit, l'Esprit de Dieu a dit où est la facture du divorce de votre mère que j'ai mise de côté, il pose la question, où est-ce parce que vous êtes mentir sur moi et tous ceux qui mentent sur qui on a enseigné cette chose. Tous ceux qui ont menti et enseigné de cette façon, besoin de faire éclater l'enfer parce que vous avez enseigné une erreur de Dieu, vous avez fait cette chose et il. Faites continuellement cette chose dans chacun, c'est votre patron, les cheveux grands ou verront enseigner. Les mensonges sur Dieu et il en dit encore plus alors il dit oh quels sont mes créanciers en qui j'ai. Vendu, souvenez-vous pour vos iniquités, vous vous êtes vendu et pour vos transgressions et votre
Le rangement de la mer. C'est le problème que nous avons, nous voulons toujours rester assis là, comme Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée de la bêtise, c'est dans ce que nous entrons. Jouer à ces jeux stupides, nouer des partenariats hauts dans la même chose la plupart des gens. Je me suis marié sous entente chrétienne et bientôt ils l'ont compris, ne dites pas obéissez, ne dites pas au non, ne dites pas, dis à cet homme qu'il ferait mieux de ne pas lui dire. Non, non, je ne vais pas deviner ce que tu ne devrais pas, même si tu ne crois même pas en Dieu, c'est la stupidité que les gens enseignent. Allons d'abord voir quelque chose de très rapide dans le chapitre 7 et le verset 27 des Corinthiens. Au verset 27. Et il dit ceci, il dit, es-tu lié à une femme si tu te lies à une femme? Ne cherche pas à être relâché. Si vous êtes lié à une femme, ne cherchez-vous pas à être lâche s'il perd d'une femme, ne cherchez pas une femme. J'espère que vous avez compris cela parce que nous avons beaucoup de bêtises. Continue ce qui est enseigné là-bas que les gens n'auraient pas dû enseigner d'aucune façon et comme je l'ai dit, nous continuons à descendre. La même chose constamment et constamment, mais la même chose c'est que ce n'était même jamais une option. Mais l'homme apprend en vous le contraire et quand il vous enseigne le contraire, ce sont les choses que vous proposez, c'est ce que je vous dis, vous avez plus de 30-45 000 confessions différentes de la religion chrétienne vous montrant la stupidité qui existe. Et ils enseignent tous sur la même chose folle, alors j'espère que vous en avez. Les choses ici et sont passées par là et la même chose que je l'ai dit. L'Église. Étranger. Moi. Oh,
J'ai besoin de toi. Peux-tu me voir? Peux-tu voir?